skirt out in the whip, but do not crash. See you looking at me, hater, why you look so mad? Pull off of the car lot, push button at hard top. Las Vegas at the Hard Rock, you can see the time on my smartwatch. Bent out in the penthouse, still a player with the pimp mouth. Your girlfriend is my friend now, and she loving it when we spin now. Hop in the Porsche and I go fast, go fast, go fast. Hop in the Rari when you go fast, go fast, go fast. Skirt out in the whip, but do not crash. See you looking at me, hater, why you look so mad? Hop in the Porsche and I go fast. Bonsoir à tous, bienvenue sur la chaîne Twitch du Paris Saint-Germain, sur la chaîne YouTube également du Paris Saint-Germain. Aujourd'hui, Trippi, Marseille, Paris Saint-Germain, un très gros match, le Classico, pour cette nouvelle journée de Ligue 1. Ah, c'est le match de ce dimanche soir, c'est le Classico face à Marseille. Espérons que les 22 acteurs qui seront sur le terrain nous procureront des émotions. 25e journée de Ligue 1 aujourd'hui. On se rappelle malheureusement, Trippi, le dernier match contre l'OM au Vélodrome, ça ne s'est pas passé de la façon dont on voulait pour les Parisiens. Une défaite malheureusement là-bas. Aujourd'hui, il faut se rattraper et surtout, c'est important, c'est un match pour la Ligue 1. On sait que Marseille n'est qu'à 5 points du Paris Saint-Germain, donc il faut absolument le gagner. Oui, il faut prendre de l'avance sur le deuxième, même surtout le classement de la Ligue 1. Il est vrai que ce match perdu en Coupe de France reste en travers de la gorge parce que Marseille a fait un très bon match. Ils ont très bien agi sur leur plan de jeu. Maintenant, aux Parisiens de résoudre le problème qu'ils ont pu avoir en Coupe de France pour pouvoir gagner ce soir. Parce que ça reste quand même un classico. Et on sait que c'est un match très important. Il ne faut pas rigoler avec ça. Je regarde un peu les commentaires sur le chat. Salut Arsène, salut Trippi. Alors je regarde un peu tout ce qui est écrit dans le chat. Je vois vraiment des messages. Il faut absolument gagner pour montrer notre place, nous dit PHF1981. On est d'accord avec vous, c'est le Classico. C'est vraiment un des matchs les plus importants de la saison et on veut absolument le gagner. Les compositions sont déjà tombées, Trippi. On va y venir directement parce qu'on ne va pas perdre de temps dans ce match avec la compo du Paris Saint-Germain pour commencer contre l'Olympique de Marseille. Alors, le PSG qui va évoluer en 3-5-2 pour aujourd'hui, ou en 5-3-2, c'est un système assez variable avec, du coup, en défense, dans les cages, pardon, Donnarumma. En défense, Nuno Mendes, Kimpembe, Marquinhos, Ramos et Mukiele. Les deux joueurs en piston, Nuno Mendes et Mukiele. Milieu de terrain, Marco Verratti, Vitinha et Fabian Ruiz. Et devant, Mbappé avec Léo Messi en l'absence de Neymar. Ouais, c'est un système de jeu qui va se coller parfaitement à celui de Marseille. Là, on voit dans le duo d'attaque Mbappé qui va être probablement à gauche et Messi à droite. Et là où ça va être important, c'est la projection de ceux qui sont derrière, donc les milieux, que ce soit Nuno Mendes, Mukiele pour son retour, et aussi le milieu de terrain, parce que Marseille, on sait que c'est une équipe qui va chercher, qui est très agressive dans les premières minutes, qui emploie un pressing très agressif. Ça sera aux Parisiens de jouer intelligemment pour se projeter offensivement. Un classico, ça se gagne, nous dit Monsieur Guzman sur le chat. Bah oui. Nous sommes d'accord avec vous. Bien sûr, n'hésitez pas dans les commentaires, sur le chat YouTube, sur le chat Twitch, à interagir avec nous. On regardera tous vos commentaires, enfin les plus pertinents, comme d'habitude. La compo de l'OM, on y vient également avec Paulo Lopez dans les cages, Eric Bailly, Balerdi et Kolasinac en défense, Under, Rongier, Veretout, Nuno Tavares. Nuno Tavares qui sera également un peu en mode piston avec Under également sur le côté. Et devant, Malinovski, Guendouzi et Alex Sanchez. Enfin, c'est
C'est écrit comme ça. Après, bien sûr, le système va varier également du côté de l'OM. Ça reste quand même un bon 11 de Marseille. On sait que Igor Tudor est un entraîneur imposant, très charismatique sur le banc de touche. Il arrive à stimuler ses joueurs, notamment pour insuffler vraiment cette dynamique et cette abnégation que les Marseillais ont dans ce championnat. Mais comme je dis, c'est aux Parisiens d'imposer leur jeu, d'imposer le rythme et de leur faire comprendre que le match en Coupe de France, ce n'était qu'une erreur. Alors je vois vos commentaires un petit peu, Neymar est blessé. En effet, Neymar n'est pas disponible pour ce match. On va y venir également, les joueurs qui ne sont pas disponibles pour ce match, côté Parisien et côté Marseillais également. Donc les Parisiens, on a malheureusement Sanchez, Hakimi et Neymar qui sont indisponibles, mais on a le retour de Mukiele et Marquinhos qui sont d'ailleurs titulaires aujourd'hui. Et côté Marseillais, on a également Bailly qui fait son retour aujourd'hui, mais Amin Harit, Gigot et Mbemba qui ne sont pas disponibles, les deux premiers blessés, et Mbemba suspendu, c'est une bonne nouvelle. C'est une bonne nouvelle parce que ce soit Gigot et Mbemba, ce sont des joueurs titulaires dans la défense marseillaise. Donc le fait qu'ils ne soient pas là, est-ce qu'il y aurait une déstabilisation au niveau de la synchronisation marseillaise en défense? Donc c'est aux Parisiens, je pense, que d'avoir cet aspect psychologique, même aller vraiment les chercher, aller au contact de ces joueurs, parce que c'est pour le coup ce match-là, tactiquement, forcément, il y aura des choses et des éléments qui nous viendront, mais surtout sur l'aspect mental, c'est là où il faudra être très fort. En parlant un petit peu de cet aspect mental, les Parisiens ont eu un surplus de mental, un surplus de collectif, en ayant droit à une visite de leurs supporters pendant un entraînement. 33 000 supporters parisiens étaient présents lors de l'entraînement des Parisiens. On vous le montre en vidéo. Dimanche, même si on n'est pas à la maison, on va gagner, on va tout donner et allez Paris! Allez Paris! Allez Paris! Allez Paris.
nous sommes de retour sur YouTube et sur Twitch pour ce live, justement Match Center OM-PSG. Trippi, l'entraînement au Parc des Princes, forcément toi qui as joué sous ces couleurs, ça apporte un surplus de motivation de voir tous les supporters te booster avant un classico. Ça apporte de la fraîcheur, ça faisait 11 ans que le public n'était pas venu voir l'entraînement. Et le fait d'avoir beaucoup, 32 000 spectateurs pour venir voir l'entraînement avec le club qui a vraiment donné de la voix à Auteuil. Et puis même les enfants aussi qui sont venus, qui ont eu la possibilité de venir voir les joueurs du Paris Saint-Germain. C'est vraiment quelque chose qui pourra les motiver sur les échéances à venir. Et aujourd'hui, ce soir, face à Marseille. Ce soir, très très gros match, 25e journée de Ligue 1. On vous rappelle également que l'AS Monaco a perdu face à Nice avec une victoire 3-0 des hommes de Didier Digard, un ancien joueur qu'on a très bien connu, monsieur Digard. Et forcément, aujourd'hui, ça peut être l'occasion de faire un bel espace pour les Parisiens. Vu que Monaco a perdu des points importants, il faut absolument gagner ce match, ce classico. Ça ne s'est pas passé de la meilleure des façons lors du match de Coupe de France, mais aujourd'hui, Kylian Mbappé est présent sur la pelouse, et Mbappé est invaincu face à Marseille. Espérons qu'on le reste au coup de sifflet final, mais il faut qu'on arrive à prendre de l'avance. C'est vrai qu'on a 5 points d'avance sur Marseille, le deuxième. Il faut qu'on arrive à prendre un peu plus d'avance, qu'on arrive à être puissant dans ce championnat. On a eu des moments de faiblesse par moment, notamment en ce début de 2023, en janvier. On a eu des matchs un peu en dents de scie, mais il faut que ce match soit révélateur pour les Parisiens et pour pouvoir continuer. Alors on a aperçu la composition de l'OM, on va la répéter rapidement pour ceux qui viennent d'arriver sur le live avec Paolo Lopez, Eric Bailly, Balerdi, Kolasinac, Under, Rongier, Veretout, Nuno Tavares, Malinovski, Guendouzi et Sanchez. Et on vous redit la composition bien sûr du Paris Saint-Germain, que vous voyez également en bas sur le côté pour ceux qui veulent voir un petit peu toutes les statistiques, avec Donnarumma, une défense à 3 ou à 5 comme vous le souhaitez, ça dépend des interprétations et des phases offensives ou défensives, avec Nuno Mendes, Kimpembe, Marquinhos, Ramos et Mukiele, le milieu de terrain avec Marco Verratti, Vitinha, Fabian Ruiz, et devant Léo Messi et Kylian Mbappé seront présents. Alors sur quoi est diffusé le match? Le match sur Prime Video, comme chaque match du dimanche soir à 20h45, on aperçoit Marquinhos et Valentin Rongier qui échangent leur petit fanion. Et ça va commencer dans quelques secondes. Franchement, classe. Hein, Turpin. Turpin à l'arbitrage. Attention, Trippi. On va le voir un petit peu comment il va se sentir sur le terrain. On va le laisser un petit temps d'adaptation par rapport à ce match qui va être électrique et chaud. Et après, selon ce qui va se passer, je vais peut-être m'en occuper. Alors, Mister Fresh sur le chat qui nous demande nos pronostics pour aujourd'hui. Moi, je verrais bien une victoire, mais pas si facile que ça, d'un but, soit 1-0, soit 1-2-1. Je vais partir sur un 1-0, but de Mbappé lancé en profondeur par Messi. Voilà, c'est ce que je vois. Je me dis que Marseille va encore une fois nous presser un petit peu comme ils l'ont fait lors du match de Coupe de France. Et cette fois-ci, on a Mbappé qui peut partir en profondeur avec la qualité de passe de Léo Messi, la vitesse d'Mbappé. C'est un but qu'on a souvent vu, qui me paraît largement faisable aujourd'hui. Donc voilà mon petit pronostic pour aujourd'hui. Moi, je vais partir sur un 2-1, parce que je pense que les Marseillais à domicile, on sait la pression qu'ils peuvent mettre sur les équipes. Et c'est vrai qu'ils démarrent fort les débuts de match. Mais je suis persuadé que le Paris Saint-Germain marquera. Là, nous voyons Ravanelli avec le ballon. Nous n'oublions pas ce qu'il a pu faire pour provoquer un pénalty. Donc Rabé, si tu nous regardes. Et on aperçoit également beaucoup de monde sur le chat. Merci pour vos petits messages sur le chat. Nous aussi on vous adore bien évidemment, oui, je pense un 3-2 pour nous, un 3-0, un 2-0. En tout cas on veut des buts. On veut des buts, ouais, forcément, oui, quand c'est un classico, on attend du spectacle. Le dernier match du Paris Saint-Germain. On veut vivre le match. On a vécu tellement d'émotions dans ce PSG Lille, c'était quelque chose. Mais c'est vrai que ce match-là a été extraordinaire. Et marquer ce but en fin de match, libérateur pour les Parisiens, c'est aussi une prise de conscience là-dessus où on se dit qu'on peut quand même le faire. Et ce soir face à Marseille, j'espère que les Parisiens répondront présents. Allez, c'est parti dans quelques secondes pour ce match. Le coup d'envoi qui va être lancé et donné par les joueurs de ce match. On a aperçu Léo Messi qui a encore une fois la barbe rasée. Léo Messi barbe rasée, pour moi, c'est le coup franc 96e minute. Donc c'est bon signe. Écoute, il prend de l'âge. Hein, donc, Allez. Le retour de Mukiele. Ouais, Mukiele également professionnel défenseur droit. Les Parisiens qui ont donné le coup d'envoi de ce match au Stade Vélodrome par Kylian Mbappé, l'homme invaincu contre Marseille, toute équipe confondue. Va-t-il avoir une combinaison?
À voir. Hein. Parce que face à Lille, elle était quand même extraordinaire. Ouais, et ça a quand même refroidi. Le but en 7 secondes. Peut-être mettre une clean d'entrée, ce serait exceptionnel. Mbappé. Quoi, je le sens. Ouais, ce serait fou. Ce serait fou. Alors, le coup d'envoi, c'est parti. Mbappé qui l'a donné. Est-ce qu'on a une combinaison? Verratti en retrait. En tout cas, ça presse directement. Et non, pas de combinaison, mais on va tout de suite envoyer le ballon en profondeur vers Moukielé, très très haut. Et j'entendais également Thierry Henry en début de match dire que ce serait également une grosse bataille de pistons aujourd'hui, vu que c'est des systèmes assez similaires, forcément. Lequel des deux pistons prendra le dessus? Ça va se jouer là-dessus le match également. Forcément, il y a, comme je dis, c'est un système en miroir où on a deux équipes qui jouent en 3-4-1-2, en 3-5-2, on peut l'appeler comme on veut. Mais le rôle des pistons sera prépondérant dans ce match, parce que c'est eux peut-être qui vont apporter, on va dire, cette imprévisibilité dans cette rencontre. Ah, la touche récupérée là pour les Marseillais avec Nuno Tavares. Rongé au milieu de terrain. Tavares sur le côté, le bon pressing de Nuno Mendes qui rentre dedans directement. Nuno Mendes qui avait également une petite frayeur lors de l'avant-dernier match et qui a l'air très solide. Il est solide, le gamin. Ça récupère très rapidement. C'était Juan Bernat hein, contre Lille qui avait joué. Donc également le retour de Nuno Mendes qui était, je crois qu'il était sur le banc lors du match contre Lille. Je ne sais plus s'il était rentré ou pas. Je crois pas. Je crois qu'il était juste sur le banc. Je suis plus sûr de moi, mais en tout cas, c'était Juan Bernat qui avait délivré une super passe à Mbappé pour aller égaliser dans ce match contre Lille avant de gagner ce match. Allez, Marquinhos, la touche sur le côté ici. Pour l'instant, on a une équipe de Marseille assez haute, l'homme comme lors du match de Coupe de France, mais des Parisiens peut-être un peu moins bas. Et forcément, on sait qu'il y a Mbappé cette fois-ci dans la profondeur, ça peut faire très très mal. Et j'ai l'impression qu'on cherche beaucoup la profondeur. Ouais, parce que ça... Le fait de chercher la profondeur, ça ne permet pas à Marseille d'agencer son pressing. Et ça les fait un petit peu perdre la tête, à savoir qu'on avance, on doit reculer. Donc il y a pas mal de débauches d'énergie. Allez, Marquinhos qui récupère cette balle au milieu de terrain, très très haut. Hein. Marquinhos également, le capitaine parisien. Et là, il y a une grosse faute sur Marco Verratti. Oh, la semelle, gamin. Ouais, Kolasinac en retard là-dessus, mais il n'y aura pas de carton. Non, non. C'est plus... il est sur le ballon. Ah, mais c'est après. Ça touche Marco derrière. Allez, pour l'instant, c'est une vraie bataille du milieu de terrain dans ses premières minutes. Ah, là, il y a du duel. Hein. Là, ouais. C'est intense, là. Il n'y a pas eu un... Ne serait-ce une combinaison. Là, les Parisiens qui essaient de repartir. C'est un peu haché. C'est la bataille du milieu de terrain. Oh, la cage de Donnarumma qui est d'une autre couleur. C'est rarement vu, ça, Trippi, non? Exact. On aperçoit la couleur, la teinte de la cage de Donnarumma, les 16 mètres, non pas les 16 mètres, les 6 mètres de Donnarumma. La sortie de balle des Parisiens était très importante, surtout le rôle de Kimpembe dans ce 1-2. Attention, attention. Allez, la relance des Parisiens dans l'axe ici vers Mbappé qui a décroché. Kylian Mbappé, l'accélération peut-être, il va pouvoir écarter, ça apporte beaucoup aux Parisiens avec Léo Messi. Léo Messi pour Mbappé en profondeur. Mbappé, la première passe sur le côté, le centre ensuite, ça revient peut-être sur Mbappé, non? Ah, c'est dommage, c'était bien joué. Ouais, Mbappé qui avait directement apporté le feu dans cette équipe parisienne. Verratti, la relance des Parisiens avec Léo Messi, ça joue bien, ça joue rapidement. Fabian Ruiz qui va écarter. Nuno Mendes avec Messi, pressé et tout de suite le bon pressing des Parisiens. Nuno Mendes, récupération. Vitinha. Un PSG haut qui presse, c'est ce qu'on veut voir et ce qu'ils sont en train de faire actuellement. Le genre une touche avec le contrôle. Mbappé qui avait réussi à décaler. Ah, et tout de suite la récupération encore une fois. La petite passe de Marquinhos avec Mbappé. Mbappé entrée de surface. Dans la surface, Mbappé, le crochet, frappe pied gauche contrée par Eric Bailly et corner. On a un PSG offensif qui presse et c'est ce qu'on veut voir. Là ça fait du bien, les Parisiens qui ont réussi à pénétrer dans la surface de réparation avec Mbappé. Et on sait qu'il est très dangereux dans sa zone... préférentiel. Ah, Tavares, pardon, pas Eric Bailly qui l'a contré sur le côté. Le corner, côté gauche pour les Parisiens. Et là, pour le moment, les Parisiens, ce qu'ils font dans ces 5 premières minutes, c'est intéressant. Ah, le corner joue à 2 à la Rémoise. Messi avec Mbappé, puis avec Marco Verratti, on retrouve Léo Messi. La passe en retrait, entrée sur basse, Vitinha. Vitinha qui va revenir côté gauche vers Mbappé. Mbappé qui va venir centrer, c'est dévié légèrement. Et ça allait sur la barre, mais c'est dévié par Paulo Lopez. Oh, la pression qu'on leur met là.
Ah, les Parisiens qui sont vraiment en train de mettre une énorme pression sur la cage marseillaise. Ah, ce sont 30 ans de Mbappé. Nouveau corner pour les Parisiens. Contré, touché par Fabien Ruiz qui a failli loubler le gardien marseillais. Sur votre chasse, on dit le vrai Nuno est à Paris, le vrai Vitinha est à Paris. C'est vrai que. Ah, il y a des duels. Il y a un Nuno Tavares à Marseille, Nuno Mendes à Paris. Et deux Vitinha, un de chaque côté. C'est vrai, c'est vrai. Allez, le corner pour les Parisiens, le deuxième. Il faut matérialiser. Cette fois-ci, là, faut matérialiser de l'autre côté, ce début. Tiré premier poteau, dévié par une tête marseillaise. Et nouveau corner une fois de plus. Veretout qui enlève le danger. C'était un peu rentrant. Ouais, il a essayé de surprendre. Sur ce coup de pied arrêté avec un corner rentrant, corner de Messi. Léo Messi, le troisième corner, jamais 203, cette fois-ci ce sera bon, on espère. Léo Messi tiré, deuxième poteau, la tête de Bailly, ça revient ce ballon sur Mukiele. Et malheureusement, dans un contre-temps, ce sera dans les pieds des Marseillais. La contre-attaque avec Tavares sur le côté. Sur le deuxième poteau. Le retour de Kimpembe, le sang deuxième poteau et Vitinha qui vient. Oui, merci gamin. Écarter le danger. Donnarumma qui peut relancer. Ah, et les Parisiens qui vont relancer, mais attention, le bloc marseillais est monté très 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 haut. Et là, faut s'en sortir comme il faut, esquiver ce pressing marseillais. Allez. Et malheureusement, la Vitinha qui n'a pas réussi à garder cette balle. Et en laissant les Marseillais, même s'ils ont été pressés par les Parisiens dans un temps fort pour les Parisiens, là, ils essaient de se réveiller directement et de tout de suite reprendre cette initiative de pressing qu'ils avaient fait en Coupe de France. Après, je pense que c'est une équipe qui se laisse quand même par moments... Laisser marcher dessus. Là, on voit cet appel de balle. Ouais. Attention Sanchez, à la, servi en profondeur, mais Kimpembe qui veillait bien. Attention à la communication entre les centraux. Parce qu'ils sont sûrs de leur force, les Marseillais, de pouvoir toujours et continuellement presser, attaquer. Ah, mais ils n'ont pas vu Mbappé en profondeur encore. Ils ne l'ont pas vu. Il va arriver. Attention là. Le corner, joie à deux pour les Marseillais. Attention à être vigilant. La frappe contrée au premier poteau, ça va revenir. Malinowski, le centre encore une fois sur Guendouzi, la frappe contrée par Kimpembe, nouveau corner. La faute au marquage. Pour les Marseillais. Là, faut pas se laisser avoir. Ouais, il était vraiment seul là. Ouais, on sait Guendouzi, que. Guendouzi, attention. Parce qu'on peut gagner des matchs sur coup de pied arrêté. Faut être attentif, concentré. Deuxième corner pour les Marseillais. Allez, 7 minutes de jeu. Le corner pour l'OM. Le deuxième d'affilée, il va être joué à deux. Attention, avec Veretout. Veretout qui a une solution, qui va tirer premier poteau. Ça revient sur Vitinha, c'est contré par Ramos et Donnarumma qui va essayer de la sauver. Mais je crois qu'il y aura un nouveau corner ou une touche. Bien joué Dodo, il y a touche. Ah, à mon avis, elle a dû sortir je pense. Ah, on est dans, je crois dans un nouveau la survie, corner. Là. Nouveau corner ouais, pour l'OM ici. Allez, faut qu'on s'en sorte là, pas prendre un but. Trois corners d'affilée pour le PSG, trois corners d'affilée cette fois-ci pour l'OM. Ouais, mais là, ils n'ont rien fait pour le moment l'OM, donc s'ils marquent là, ça serait quand même... Ça sera en coup pour coup niveau corner. Le corner tiré premier poteau, attention, lolo, ça a frôlé les cages parisiennes, ça a frôlé Kylian, tout le monde, ce ballon, ça revient dans l'axe. Et Vitinha qui va pouvoir dégager cette balle. Ah, de retour dans les pieds marseillais, attention, faut le récupérer maintenant. Ça sort. Touche pour Mukiele. Ouh, on a eu chaud. On a eu chaud parce que cette balle sur corner, elle a traversé vraiment tout le monde. Mais surtout le ballon de Kylian qui l'a remis après dans la surface en voulant dégager vers l'avant. Ça donne du stress hein, ce match. Hein. On aperçoit le coach qui boit sa petite bouteille d'eau pour déstresser un petit peu. Ah, on peut le comprendre. Cardiaque, hein, je te le dis. Allez, 9 minutes de jeu pour l'instant, toujours 0-0. Marquinhos qui effectue la touche sur le côté pour peut-être avoir un Mukiele un peu plus haut. Ça, c'est une solution également envisagée, je pense. On l'a vu en début de saison où c'était les centraux qui s'occupaient de la touche pour avoir plus de joueurs dans le camp adverse. Et je trouve que c'est une bonne, solution. Ah, et la touche pour le PSG, côté droit, Marquinhos qui va chercher en profondeur vers Mukiele. Ça va revenir ce ballon sur Mbappé qui a un peu d'espace, il va pouvoir écarter à gauche, Nuno Mendes. C'est Tavares qui joue à droite. Ouais, Nuno Mendes sur le côté gauche qui va prendre son temps, chercher Marco Verratti. La petite passe dans l'axe, on retrouve Léo Messi. Léo Messi qui va faire la différence, Léo Messi avec Mbappé. Ah, et derrière Balerdi qui a bien anticipé l'œuvre de Léo Messi. Bien joué ça, Kimpembe. Super défense de Kimpembe également pour mais que c'est beau, annier que la c'est contre-attaque beau. Marseillaise. On est bien dans le match. Et attention, entrée. Nouvelle entrée sur le terrain. Là, c'est Laure Boulot qui arrive. Salut.
Je suis où? T'es au milieu, comme d'hab. J'ai sorti ma meilleure coupe pour le classique. Ah mais nouvelle coupe et... Nouveau style. Petite veste incroyable également. Pas mal, elle date un peu. Un peu street. Ça va les gars, comment ça se passe? 9 minutes, faites-moi un résumé. Pour l'instant, c'est un vrai duel au milieu de terrain. Ouais. 3 corners pour Paris, 3 corners pour Marseille. C'est assez électrique, il y a beaucoup d'intensité, mais pas de grosses occasions. Les Parisiens sont mieux quand même qu'en Coupe de France. Ouais, les Parisiens sont bien mieux, ils pressent. Déjà, la présence d'Mbappé, ça recule tout le monde aussi. Hein. C'est un peu ça, la différence, c'est quand même que Mbappé est sur le terrain ce soir. Et puis aussi, c'est un point de fixation, parce que quand les Marseillais nous pressent, ça ouvre la voie dans le milieu de terrain, et lui, il arrive à s'insérer. Et vu qu'il arrive à très bien garder le ballon, on adore ta coupe, Laure. Ouais, Laure, merci. Incroyable la coupe. Wow. Le chat a kiffé. Merci. Je me suis dit, il faut marquer le coup. Allez, Léo Messi qui récupère cette balle. Messi, approché par Guendouzi. Le carton, c'est un bon carton, on espère. Guendouzi, pas de carton de Turpin. Guendouzi, oui. Évidemment. Pas de carton pour... Son Guendouzi va toujours... Guendouzi ici. C'est classique. Ah, il marche bien sur le pied. Oh là là. Il le fait tomber en plus derrière, c'est une vraie faute. Je suis pas sûr que ça vaille un carton, mais il y a faute. Ouais. Parce que j'ai pas vu le début de match, il a déjà fait des petites fautes. Non, pas encore. Ok, ouais, donc vous abusez un peu les gars. Ouais, mais tu connais. Carton jaune, les gars. Je pense que les Marseillais ne s'attendaient pas à avoir du répondant de la part des Parisiens, parce qu'on sait qu'ils attaquent très fort en début de match avec un bon pressing, et vu que les Parisiens arrivent quand même à sortir sur des bons mouvements. Ouais, le coup franc pour Léo Messi. Ça va être tiré dans le tas. Au point de pénalty, c'est très bien tiré. Repoussé par les Marseillais. Vous avez pas kiffé la trajectoire? Ah, c'était exceptionnel. Ça revient ce ballon avec Mouki, il est sur le côté droit. Comment il va, Mouki? Il est pas en jeu. Il est pas mal. Ça va, il est rentré dedans. Il est dans les duels également. C'est plaisir de le revoir. Ouais. Cette intensité, c'est un mec aussi qui va vite, ça va nous faire du bien. La balle dégagée par les Marseillais en touche pour le PSG. Une vraie deuxième option après Achraf, quoi. Ah, Achraf qui est indisponible, touché aux ischios, on nous demandait sur le chat tout à l'heure sa blessure. Après, il faut qu'il soit là pour le Bayern. Je pense que c'était encore un peu just, mais si Nordine est prêt, c'est très bien. Ah, et la balle, on cherchait Nomen Desici, on n'a pas réussi à bien contrôler, garder ce ballon. Attention à la contre-attaque marseillaise, parce que là, il y a Tavares qui est parti sur le côté. Tavares en un contre un, Kimpembe qui s'est arrêté, qui s'est blessé visiblement. Oui, et le super retour de Nuno Mendes. Kipé. C'est presque qui s'est blessé. Ouais, je pense que c'est grave. Ou le claquage. Ouais. J'ai c'est blessé presque. On ne sait pas trop ce qui s'est passé. Est-ce que c'est un joueur parisien qui lui a rentré dedans ou est-ce que c'est un claquage? En tout cas, on apprécie le retour. Ouais, parce qu'il avait vraiment beaucoup d'espace, Nuno Tavares. Et là, le duel des Nuno, il est gagné par Nuno Mendes. Hein. Ah, mais là, c'est claquage. Là. Moi, je pense que. Oh, non, c'est mort. Ouais, Kimpembe qui est au sol là. J'ai peur que ce soit son tendon. Tendon du. D'Achille. Il est tombé et en même temps il s'est vraiment arrêté. Ils ont touché tout de suite son tendon d'Achille. J'ai vu le docteur, il lui a touché. Ah, il se tape le pied gauche en même temps là. C'est la droite qu'il a mal. Ouais, pour pas intensifier le côté droit. Donc si c'est. Alors là c'est plus hein. Parce qu'il s'est arrêté un. Tu vas voir. On va revoir le ralenti un petit peu. Kimpembe qui essaie d'intervenir, il pouvait pas faire grand chose ici. Et là, il s'est arrêté d'un coup, c'est un vrai claquage d'un coup. Ouais. Non, là, c'est tendon d'Achille, c'est pas son claquage. C'est tendon, je pense. Si c'est tendon d'Achille, c'est pas claquage. Tendon, c'est dur à remettre en plus. Ça, parce qu'en fait, il a eu une fragilité à ce tendon. Ouais. Et je pense que malheureusement. Je suis pas médecin, mais je pense vraiment que. T'as des bons signes en général. J'ai vu le docteur, il lui a touché direct à cet endroit. Ouais, la civière hein, pour Presnel Kimpembe, notre Titi Presco. C'est pas ce qu'on veut voir, surtout qu'en ce moment il y a pas mal de blessures côté parisien. On a vu Neymar il y a pas longtemps, on avait eu Nuno Mendes mais qui est revenu heureusement. Hakimi blessé. On a également Renato qui n'est pas disponible. Et là. Il touche l'ischio, mais franchement. Il parle des ischios et de la cuisse sur les commentaires. En tout cas, c'est sûr qu'il va sortir. Ouais. Kimpembe qui ne pourra plus jouer pour ce match. Et pour plusieurs semaines, certainement, malheureusement. Le moins possible, on espère. Mais là, on l'a vu sur l'action, il s'est arrêté net d'un coup. On a déjà vu des actions où Kimpembe. Oh, mais c'est l'arbitre de mettre un coup de tête à Danilo aussi. Comment on fait? Oula. Ah ouais. C'est incroyable. La scène atypique. Non, par contre, je suis rassuré qu'il y ait Danilo. Ouais, c'est un bon changement. C'est une valeur sûre. Ouais, on veut des petits cœurs là pour Presco sur le chat pour lui apporter de la force parce que là c'est une image qu'on n'aime pas voir. Presnel Kimpembe qui va
laisser les Parisiens. Ah, tu te mets pas sur une civière quand tu te fais un claquage, non ? Ouais, non. On se souvient d'un Kimpembe qui avait été blessé, qui avait un claquage contre Lille, qui avait réussi à sauver miraculeusement une action lilloise. Non, mais en plus, il a. C'est plus une déchirure. Là, c'est vraiment, ouais. Ça a arrêté d'un coup net, il est tombé. Là, il pouvait pas. Il est tombé net, là. Là, c'est. Il pouvait pas continuer. Ouais, malheureusement, Kimpembe qui sort du terrain. C'est comme ça, hein, les blessures font partie de nos carrières, malheureusement. On a tous connu ces moments difficiles. Après, c'est sûr qu'on a beaucoup d'affection pour lui. C'est un jeune du cru. Donc voilà, il y a aussi tout l'aspect affectif qui ressort. Espérons que Daniel se blesse pas parce qu'il ne s'est pas échauffé. Ouais. Et le corner pour l'OM, attention derrière également. Le corner tiré premier poteau, c'est dégagé par une tête parisienne. Et Daniel qui va donc remplacer Kimpembe qui est rentré juste avant ce corner. Il a pas frappé. Nouvelle action là pour l'OM, la combinaison et Marco Verratti qui avait bien suivi. C'est bizarre, les surfaces elles sont foncées, non ? Ouais. Les surfaces des gardiens sont foncées, c'est assez atypique. Je pensais que c'était un effet de la télé, tu sais, pour dire la stratégie, tu vois. Pas du tout, c'est. Dans l'axe. Ouais, c'est une teinte différente là sur la. Under, la surface du gardien. Oh là là, quelle sortie de Donnarumma. Attention, la balle qui revient, c'est contré par un joueur parisien. L'OM qui met une vraie pression sur les Parisiens pour l'instant. Ce soir, il va falloir avoir du caractère, je vais te dire, parce que là, l'intensité que mettent les Marseillais, il y a n'importe quelle équipe souffrirait. Hein. Mais là, j'avoue, ils mettent une intensité. Cette action de Nuno Mendes, ça les a un petit peu survoltés. Et puis tu dois encaisser le coup aussi de la blessure de Presco. Ah, on le voit, il est triste, hein, Presco. On l'a vu quitter le match, quitter le stade. Il va directement passer des examens, visiblement. Allez, Vitinha, qui va allonger directement vers Kylian Mbappé. Ça, c'est une solution. Dommage. À ce pressing olympien. Bon, allez, jouer en profondeur sur Kylian Mbappé, qui lui demandait un peu plus dans l'axe cette balle. Ça va venir. La patience, il sait que la clé, elle viendra certainement de lui. Mon pronostic, c'est 1-0, Mbappé en profondeur, ça répare Messi. C'est possible, hein, c'est un scénario qui est très probable, parce qu'en plus, Marseille joue, ils sont à domicile, c'est normal. Donc forcément, avec l'audace qu'ils ont offensivement, il va y avoir des espaces dans le dos des défenseurs. Mais pour ça, il va falloir remettre le pied un tout petit peu sur le ballon. Là, pour l'instant. La passe en profondeur de Guendouzi, Nuno Mendes, quel travail devant Alexandre Sanchez, bien récupérer cette balle. Va vite. Ah ouais, il lui a mis une vitesse, bon, après Sanchez. Ah ouais. Il a un certain âge, mais Nuno Mendes, quelle rapidité de Nuno Mendes. On l'a vu également sur le retour de Nuno Tavares, qui va vite également, Nuno Tavares, quand même. Nuno Mendes, c'est... Marquinhos à gauche. Quelque chose de plus. Oh, les gars, faut aller... Ah, la touche perdue par les Parisiens, ça revient. Malinovski. Non, lui, il est bon. Under, pardon, avec... le centre pour les Marseillais, nouvelle action ici. Heureusement qu'il se manque un petit peu. La bonne défense de Mukiele, mais il y avait une grosse situation pour l'OM et corner. Et ouais, et si on va pas dans le ballon, ben Marseille, ils arrivent à... Ça s'est bien joué, à revoir le petit contrôle de la poitrine. C'était... Ouais, la passe de la poitrine de Sanchez était magnifique. Complètement loupé le gamin. Et derrière, heureusement que Nuno Tavares, c'était pas un bon match. Il l'a touché de son pied d'appui, non ? Non, en fait, il la prend de l'extérieur. C'est très bizarre. C'est heureusement que Nuno Tavares n'est pas rentré dans son match. Il est gaucher normalement. Ouais, mais là, il s'est complètement loupé. Là. Heureusement qu'il n'est pas dedans. Nouveau corner pour l'OM. C'est dégagé par une tête de Ramos. Parce qu'il n'a pas l'habitude de se retrouver. Ça revient. Dans les pieds marseillais. Là, c'est les matchs, ça, c'est les matchs les plus durs sur Twitch, honnêtement. C'est un point fort pour les Marseillais. Et on a un joueur marseillais qui est resté au sol ici. Beaucoup de blessures. Il va prendre un coup. C'est. Balerdi, non ? Ouais, Balerdi. Balerdi qui est resté au sol, qui a dû prendre un petit coup. Ah, il est mal retombé, le gamin. Il a dû retomber sur le bassin. Marco Verratti, qui l'a à peine touché. Il est retombé sur le bassin, il est mal retombé, c'est ça. C'est quand même un temps fort en Marseille, là. Autant les 10 premières minutes. J'ai l'impression que c'est ma coupe de cheveux qui porte la poisse ou quoi. Les 7 premières minutes étaient intéressantes bien au début. Les Parisiens, et là, c'est vrai que Marseille commence à rentrer dans le rythme du match. Super pression d'un coup, là. Ouais. Mais bon, on va retrouver un peu le fil de ce match, on n'en doute pas. Faut résister, comme Marseille a pu le faire en ce début de rencontre. C'est Bailly, hein, du coup, qui joue derrière aussi, j'ai vu, c'est ça ? Ouais. En l'absence de Mbemba et de Gigo. Mbemba, je suis contente qu'il soit pas là, je vais te dire. Gigo aussi, hein, parce que... Un peu des deux, mais Mbemba...
Mbemba, c'était vraiment la valeur surcotée marseillaise. Et Bailly qui revient de blessure, de suspension, pardon. Allez, aïe, aïe, aïe. La petite fausse sur Vitinha ici. Ah, les fautes comme ça, ça énerve. C'est vrai que ça énerve, ouais, parce mais que bon. C'est... Ça arrive à te sortir d'un pressing. D'ailleurs, tu peux avoir des très belles situations. Je suis contente ouais, de voir. Ça va être intéressant de voir Vitinha, de montrer tout ce qu'il peut apporter au milieu de terrain. Il était un petit peu en manque de confiance ces derniers temps. Mais là, ça, le fait de l'aligner, je pense que ça lui montre qu'il est clairement dans les plans de Christophe Galtier. Et rien que par son contrôle orienté, il montre qu'il a envie de se montrer aussi. Il n'est pas là pour faire des passes en retrait. Ah, c'est bien, je ne sais pas, justement. Là, on va retrouver Léo Bicol. Elle est passée sous son... Et la balle qui revient pour Rongier. Fabien Ruiz pour défendre quel ici. Quel match déjà dans l'intensité. Wow. Énormément d'intensité. C'est le genre de classico qu'on aime voir. Malinowski. Attention, il a une frappe de entrée de surface. Qui a une merci. Un allez, envoie-le. Et la bonne défense des Parisiens peut servir en profondeur peut-être plus, Mbappé. Plus. Ou attention. Plus en profondeur. Allez, sortez. Parce que là, on était acculés sur notre but. Bailly qui va jouer derrière vers le gardien Paulo Lopez. Il va dégager. Et là, le bloc parisien est un peu monté. Mais le bloc marseillais va vite monter également. On les aperçoit là. Il faut temporiser un petit peu là. Oh, quel rythme! Ah, ça remonte très très vite ouais. Côté marseillais. Là, faut bien ouais. Enchaîner. Super. Voilà. Allez, bien Fabien joué, Ruiz, côté gauche, quatre d'espace. Fabien Ruiz, le crochet derrière la jambe. Fabien Ruiz avec Mbappé. Mbappé entrée de surface. Mbappé la passe pour Fabien Ruiz. Gagne quelque chose! Le centre, c'est dévié. C'est et bien. Si, hors jeu. Oh non! Pour moi, il y a pas hors jeu. Touche alors pour le PSG. Messi qui part et en fait, moi, Messi, on suit. Si, légèrement hors jeu, ouais. Mais il a levé ou pas l'extérieur. Ça n'a pas été levé, non. Ça a pas été levé. Je crois qu'il y a une touche pour le PSG. Magnifique. Non, corner, parce que c'est le. Ça, je crois que ça touche ça a tapé le poteau. Mais c'est sorti à droite. Ils, ils ont pas. Ils ont pas. Ah ouais. Ouais. J'ai vu l'action en entier. Il y avait Messi à un petit extérieur du pied là. L'œil de lynx. Ouais, bien ouais. Nuno Mendes la touche. C'est bien joué dans la surface directement. Allez, Vitinha. Il faut être fort dans nos temps. Garde cette balle. Ouh, il est poussé, Vitinha. Non mais. La balle récupérée par Nuno Mendes. Poussé dans le dos, c'est limite. Ouais, il aurait pu... Voilà, c'est ce qu'on veut. Ouais, faute de Marquinhos. Là, il y a faute. Bien joué. J'ai trouvé une petite poussette sur Vitinha, perso, assez... Voilà ce qu'on veut, des paillettes. Bon. Après, on n'a pas bien les bons angles de caméra, mais il avait l'air bien poussé, Vitinha, quand même. Après, c'est sûr que physiquement, Vitinha, c'est pas le plus balèze, mais quand même. Ouais. Si il s'est fait poussette. Un peu bouger. On sait pas, peut-être qu'il porte du 100 kilos développé. Et qu'est-ce que t'en sais qu'est-ce bah oui. Sais c'est vrai. Ça veut rien dire. Pour l'instant, les stats, 4 tirs pour l'OM, 0 cadré, 2 tirs pour les Parisiens, 1 cadré. Merci. Allez, Ramos qui s'impose devant Sanchez. Et Ramos qui est resté au sol, hein, qui a pris un petit coup, il s'est relevé. Là, c'est la guerre. Fabien Ruiz au milieu de terrain contre Guendouzi. Voilà. Allez, ce qu'on la veut. Petite faute de Fabien Ruiz. Temps en temps, faut la faire. Des matchs hachés comme ça, ah bah, des fautes. Ils font les fautes, faut les faire également. Mm-mm. Il faut rendre coup pour coup. Bien sûr. Il croche patte. Ça peut valoir un carton jaune, mais bon, ils ont fait les mêmes. Ouais, ça n'a pas valu de jaune, Virginia, donc c'est voilà. Le même, hein. Et la balle qui revient dans les pieds marseillais, le bloc parisien qui est bien plus haut d'un coup. C'est ce qu'on veut voir. Début de match, on avait un PSG qui pressait un petit peu pendant quelques minutes. T'as pas eu l'occasion de vraiment bien voir ça, mais ça n'a pas duré longtemps, mais on l'a vu un petit peu. Attention, les gars. Oh, attention, Danilo en profondeur, il s'est fait devancer ici. Le très bon retour de Moukielé. Ah ouais, les gars. Et Moukielé qui peut ressortir. C'est Rongier qui a fait ce. Non, ce c'est Kolasinac, non qui, ouais, qui va vite sur... comme ça. Ouais, qui est passé. Je suis choqué. Après, Moukili, il a. Oui, c'est vrai, mais bon, il a tapé une accélération. Kolasinac qui est au sol. Hein. Petite faute de Fabien Ruiz ici, une fois de plus. Tu vois, sur le ballon de Rongier, là, t'as Danilo, en fait, il pense qu'il est seul parce qu'il n'a pas vu. Il avait, Moukili, en fait, super retour de Moukili. Joué Moukili. En deux temps. Imagine, tu reviens. Ça fait un petit moment que t'as pas joué. Bim, Marseille là-bas. C'est pas mal. Ah, il est dedans. C'est un retour. C'est un retour Il est dedans, Nordi. Il faut que tu sois dedans, quoi. T'as pas le droit de. Hein merci, allez, Marseille Sergio. Qui, merci, Sergio. Continue à mettre la pression. Sergio Ramos général. Qui intervient ici. La touche jouée rapidement, peut-être, par Sergio, les Marseillais. Il reste sur la lignée de ses matchs. Ouais. Il est bien, Sergio Ramos. Lui il a aussi cette déception de ne plus être pris en équipe nationale. Et je pense qu'il a. Il a à cœur de montrer ce qu'il vaut encore aujourd'hui. Il annonce sa retraite d'ailleurs en équipe nationale. Mais franchement, il connaît sa meilleure période. J'ai pas envie de lui porter la poisse, mais. Il est bien là. Je trouve que depuis un mois, c'est sa meilleure période depuis qu'il est au PSG. Allez, Veretout, milieu de terrain. Avec Rongier qui va écarter. Allez, Léo. Vers Balerdi. C'est bien, je vois. Balerdi qui est passé. Ça combine côté gauche. Il y a de l'espace pour centrer Kolasinac. Le centre dévié par Ramos une fois de plus. Marquinhos. Qui a pris l'information, qui écarte
Le danger, Nuno Mendes, allez, qui dépasse Nuno Tavares. Et derrière, le crochet de Nuno Mendes. Merci, monsieur. Merci, monsieur Turpin. Le couloir gauche, là, c'est bien, le duel des titans. Ah, il est bien. Ah, Nuno Mendes qui prend le dessus, hein, pour l'instant. Voilà, Vitinha. Parce qu'il n'est pas trouvé haut, en fait. Allez, Vitinha qui est trouvé ici. Il faut trouver la profondeur. Et là, on peut aller vite. Léo Messi. Magnifique. Léo Messi. Il y a Mbappé qui fait un appel. Allez ici. Mbappé, ça revient en profondeur. Mbappé, un contre un. Allez, Kylian. Contre Paul Lopez, Kylian. Mais oui. Mais oui, je l'avais annoncé. Let's go. Pardon. Je vous l'avais pas annoncé, Messi en profondeur pour Mbappé. 1-0 pour le Paris Saint-Germain. Quel appel d'Mbappé. Oh, je le vois partir. Qu'est-ce que je te dis avec Vitinha? Faut prendre la profondeur. On prend la profondeur. C'est Vitinha qui servit au début. Ils vont peut-être moins presser là maintenant. Non, ils vont rester pareil. Ils vont continuer, ouais. Parce comment? C'est ça leur jeu en fait. Je sais, mais. Regarde là, t'as Vitinha au-dessus. Quand tu te prends. Regarde l'intelligence de Mbappé. Ah, Léo Messi également. Quelle conduite de balle de Léo Messi. Quel appel. De Kylian Mbappé, quelle vitesse, quelle finition, tout est parfait de la part de Mbappé et également de la part de Messi. Messi, la conduite de balle et la passe. Faut souligner cette initiative de Messi également. En fait, c'est le but, qu'on attendait. C'est le but qu'on attendait. Même dans tout ce qu'on a dit, c'est ce but-là. Un milieu qui arrive à prendre la profondeur après en point de fixation. Ouais. Et directement, on arrive à trouver le joueur libre. Et derrière... Quand on a un joueur qui va vite, qui arrive à exploiter les... Vitinha qui a joué un rôle très précieux sur cette action. Ah, parce que quand t'as un pressing de fou, la petite déviation, il faut la sentir. Et pour le coup, c'est lui qui fait le premier décalage. C'est vrai, c'est lui. Grâce à lui qu'il y a eu un grand espace. Et puis on avait dit en avant-match que le fait d'avoir Messi et Kylian devant, ça va permettre aux trois milieux, au moins... aux deux milieux de se projeter vers l'avant, de faire ses appels de balles quand on est pressé. Chose faite, et ça fait 1-0, et c'est magnifique. Après, c'est sûr qu'on s'est toujours posé la question de l'équilibre quand les trois sont alignés. Quand il en manque un, à savoir, bon là, c'est Neymar. En termes d'équilibre défensif, c'est sûr que c'est un peu plus serein pour le Paris Saint-Germain, et encore plus dans ce système. Ouais, voilà, c'est mieux. En plus, là, Messi fait les efforts aussi défensifs. Et puis, tu sens que le danger peut venir sur les côtés aussi, sur les latéraux. C'est hyper intéressant. Je pense qu'il a. Oui, porte de Montreuil. Il a choisi une formule qui, pour l'instant. Parce que ce milieu à 3, on l'a souvent vu. Et là, en plus, on a une défense à 3 ou 5. Et c'est calqué un petit système marseillais. Même si Marseille joue à 3 devant avec Guendouzi qui est monté un peu plus haut. Mais je serais pas étonné qu'il veuille jouer comme ça contre le Real. Le Bayern. Le Bayern, pardon. Ils m'ont tellement choqué contre Liverpool que. Je comprends, moi aussi. Le coup franc marseillais joué rapidement à deux. Ça revient pour Tavares. La frappe contrée par une main d'Eric Bailly qui vient marquer, mais il y avait main. Non, il compte pas. Ah! Attendez, il y a main. Mais lui-même, il sait qu'il y a main. Oui. Tout le monde s'est arrêté. L'arbitre avait arrêté le jeu également. J'ai l'impression que les commentateurs disaient en même temps qu'il y avait but. Il y a tellement de bruit qu'ils n'ont pas entendu le sifflet, quoi. Bah oui, non, mais il y a position de hors-jeu d'autres joueurs. Il y a une vraie main, oui. Elle est flagrante. Le contrôle de la main est exceptionnel. Elle est flagrante. Non, pas du tout. Ah, ça le met bien. Hein. Ah, c'était un contrôle porte-manteau de la main, là. Ah, je suis contente de le voir comme ça, là. Kylian, on vient de voir une image. On sent qu'il est dans son élément, sur ses gros. Il aime les gros matchs, hein, de toute façon, il n'est pas là pour se cacher. Et Mbappé qui est meilleur buteur maintenant de Ligue 1. J'ai pas suivi Balogun un petit peu. Balogun a marqué. 199e but de Mbappé. Ah oui. On n'est pas loin du record. On peut l'oublier, les gars, on l'a dit au vélo. Allez, Mbappé, servi en profondeur justement. Côté gauche, entrée de surface, Mbappé qui va centrer dans le poteau. Merci Camin pour Paris. Oh là 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 là. Merci Camin. Quel but. Ça c'est beau ça. Quelle passe décisive de Kylian Mbappé qui sert tout seul. Léo Messi. Les gamins là. C'est quoi cette passe? Mais c'est quoi cette passe de fou? Mais c'est beau. Ces deux joueurs là, franchement. Profondeur encore une fois. Quand ils sont connectés, ils peuvent tout changer. Franchement. Oh là là. C'est exceptionnel. Quelle passe. Non, mais là, tu peux trouver une passe pareille. Mais comment tu peux trouver une passe comme ça? Déjà, il a la déviation au début. Merci. Avec Nuno Mendes, la super passe intervalle également. Et attends, derrière, il temporise. Oh là, il attend une solution. Et là, la passe qui passe. Petit pont Kylian Mbappé. Il a vu l'appel de Messi. Ouais. Parce que c'est bien joué, parce qu'il l'appuie bien comme il faut. Parce que c'est exceptionnel. Le gardien, il y va pas parce qu'elle est tellement appuyée cette passe. Et surtout, il part au bon moment. Parce que Balerdi, il est là en train de regarder, en train de chercher s'il y a un adversaire potentiel. Ah mais réussir la puissance de cette passe, la mettre exactement dans la bonne zone, bravo. Et en plus en petit pont. Incroyable. Bravo. Plus l'appel de Messi au bon endroit au bon moment,
tout est parfait sur ce match. Oui, Marseille est resté pareil, c'est bien. Après, attention, hein, cette équipe, elle est capable de réagir aussi, mais bon. Mais là, ça fait plaisir. Hein. Bon, bah, je vais me coiffer avec des tresses pendant 10 ans. Ouais, 2-0, on sait à quel point ce match est important. Marseille. Non, mais enfin, je veux dire. Donc, le Bayern, n'hésite pas. Hein. Ouais, ouais, non, je vais faire des tresses pour le Bayern. Ah, les Parisiens qui continuent en plus à presser. On le disait en début de match, avant que tu sois alors, que ce match est très important pour le championnat. 25e journée de Ligue 1, 5 points d'avance simplement sur l'OM. Ce soir, on peut en avoir 8 en cas de victoire. Pour ça, les gars, faut pas reculer. Par pour contre, se mettre en confiance, c'est important aussi. Et sachant que Monaco a perdu également contre Nice 3-0. Faut pas reculer, les gars. Donc vraiment, ce serait une superbe. Oh, le duel pour les Parisiens. Voilà. Tavares, Nuno Mendes, c'est. Oui, attention, contre Lille également, gagner 2-0, c'est vrai. Exactement, tout à fait. Donc restez dedans. On avait marqué rapidement contre Lille également. Puis bon, faut quand même le rappeler, mais c'est une équipe qui a de l'énergie. Après, ils vont encore plus se découvrir hein, s'ils veulent. C'est pour ça que la présence d'Mbappé, honnêtement, c'est vrai qu'elle change tout. Il sort de but. Non, mais parce qu'il prend la profondeur, ça change tout en fait. Mais t'as pas peur qu'à 2-0, le Paris Saint-Germain recule? Ouais, ils se disent, vas-y, on va les attendre, mais en les attendant, franchement, tu recules, quand il y a Mbappé sur le terrain, je me dis pas ça, parce que quoi qu'il arrive, en fait, l'équipe adverse, elle sait qu'ils peuvent. Et puis là, ils ont eu la preuve en deux actions. Donc, je pense que quand tu sais que tu as la cartouche Mbappé. Oh, attention à ce sang marseillais, deuxième poteau. Oh, parce que c'était bien tiré. Oh, attention, coup de pied arrêté, ouais, on n'était pas loin là de. Veretout. C'était très, très bien. Une égalisation. Non. Magnifique. Ça s'est joué à pas grand chose. C'était. Mbappé qui a frôlé ce ballon. Mbappé, fais pas des trucs comme ça, tu peux te blesser les muscles, s'il te plaît. Ah, c'était super bien tiré, la zone était très bien choisie. Ah là, le gardien, tu peux. Là, c'est impossible que tu sortes. On a eu très très chaud là. Attention parce que les coups de pied arrêtés, parfois, c'est dans ces moments-là. Et puis un match, ça se relance vite. Hein. Ouais. Le 2-0, il est traître. Ouais. Hein. Contre Lille, le premier but qu'on prend, c'est un coup de pied arrêté ou pas? Je me souviens plus. Le 2-0. Souvent, on prend des coups de pied arrêtés, ça. Donnarumma, faut manger là. Allez, Donnarumma, la relance à droite avec. Me dégager ça, tu veux bien qu'ils arrivent, voilà. Danilo, ça passe. Qui va écarter, ça relance ballon. Marco Verratti au milieu de terrain. Pousse-le. Voilà Danilo, c'est mon gars sûr. Danilo, physiquement, on sait que. Danilo, c'est trop bon. Il y aura pas de problème. Non mais il va jouer simple en plus, tu vois, il va pas. Nuno Mendes, c'est joué rapidement avec Mbappé. Oui. Nuno Mendes, il a des passes. Nuno Mendes, dans la surface. Nuno Mendes, la passe en retrait. Allez, fini. Oh le poteau, non, c'est à côté. Mais c'est à côté, Léo Messi. Mais non, mais comment il peut rater ça? C'est pas possible, le pied droit. Oh ouais. Léo Messi qui n'a pas réussi à bien remettre cette balle qui était revenue sur lui tel un miracle. Et malheureusement, il l'a mis au-dessus. Je crois qu'il y a un petit rebond, il doit avoir quelque chose. Hein. Normalement, je sais pas ce qu'il y a, ça doit aller au fond. Je suis désolé. Oh non! Oh là 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 là, ça frôle la barre transversale. La C'est rare que Léo Messi rate ça. Mais tu sais, quand le ballon arrive, au lieu de la prendre comme ça, il la prend. Je sais. Je crois qu'il est vraiment meilleur de son pied gauche. Mais pourtant, normalement, il a un pied droit qui est quand même très. Ouais, il a 4 étoiles, mauvais pied sur 5. FIFA. Il les mérite parce qu'il a marqué des buts. Oh, ce côté gauche là, il me fait plaisir. Oh, le 3-0, 32ème, ça aurait été incroyable. Non, mais ce côté gauche fait plaisir. Parce que Nuno Mendes avec Mbappé dans la profondeur. Et puis ils se trouvent les yeux fermés, les deux. Hein. Mais là, en tout cas, les Marseillais qui ont subi une fois de plus une foudre. Ramos aussi. Des fois, c'est Nuno Mendes qui vient à l'intérieur du jeu. À un moment donné, c'est Mbappé. On les met extrêmement en danger, les Marseillais. Et en plus, derrière, ce qui est bien, c'est qu'on est à 8 à défendre. Ouais, mais tu vois, on est déjà dans la surface de réparation. C'est vrai. On est un peu trop bas, malheureusement. Il nous oblige à reculer. Ouais, je pense qu'il faut que Messi et Mbappé reviennent un peu plus vite dans la ligne. Tu vois, les lignes, elles sont aplaties. C'est pas grand-chose en plus. Non, c'est vraiment pas grand-chose. Mais tu vois, les lignes, après, elles sont aplaties entre les milieux. Ouais, parce que ça combine bien côté Marseille ici. Tu peux pas prendre toute la largeur. Hein. Non, tu peux pas, impossible. Le bloc parisien qui essaie de coulisser également pour bloquer tout axe marseillais. Merci, Moukiel est également. Il a pu avoir une petite faute là. Ouais, il a bien joué, la petite poussette ici. Ça va prendre son temps côté marseillais. Oh, mais j'y crois pas, on est passé à deux doigts du 3-0. Ça aurait été exceptionnel. Hein. 3-0. On signait tout de suite. Bien joué. Fabien Ruiz qui a bien couvert. Le centre marseillais qui ne donnera rien. La relance parisienne avec Mbappé. Oh là là, il arrive à laisser passer ce ballon Mbappé. Il a tenté le grand pont derrière. C'est pas grave, Kylian, replace-toi. Gère tes efforts. Ça baille, il faut qu'il arrive à temporiser parce qu'il sort. C'est pas un défenseur qui sort sur le. Qui harcèle parce qu'il sait que Mbappé va très vite. Donc s'il arrive à bien varier son tempo.
Il a raté un penalty, il a pas raté un penalty, mais bon, il a raté, ouais, c'est presque comme non, un penalty. Une occasion vraiment immanquable sur un centre de Nuno Mendes sur la gauche. Pour lui, c'est comme un penalty. Ouais, vraiment, il était à 3 mètres du but. Même et plus simple qu'un penalty pour lui en général. Ouais, parce que le gardien, il était pas du tout. Il a raté une occasion en or. Oh, c'est pas beau ça. L'UFC, c'est à 4h du matin. Ça s'appelle le mur de Berlin, ça. Ah ouais. Kolasinac qui met les mains là sur la tête de. On revoit ce centre. Il est. Il apprend cuir. Et un tout petit rebond. Il y a un petit rebond. J'ai annoncé un petit rebond, il est tout petit, mais après, c'est pas son bon pied non plus. Voilà, c'est quand même pas la plus du moustoir. Hein. Parce que. Ben Ruiz, la relance, c'est bien joué ça. Le dédoublement avec Mukiele. Ça joue bien, ça combine bien côté parisien. Bien joué ça. Vitinha, encore le petit double contact. Oui, ça sort très très bien côté parisien. Bien joué. Léo Messi. Non. Ah, devant dommage, c'est ici. Dommage. Ouais, il l'a... Et la dernière passe, elle est parfaite. Léo Messi, qui a vu qu'il y a de l'espace ici. Un 4 contre... Ouais, 4 contre 4. Va avec lui, voilà. Ça revient bien côté marseillais. Des doubles. Mbappé. La frappe tentée par Mbappé, mais... ouais. Il peut tenter. Il est tellement on fire qu'il a voulu tenter. S'il fait feinte de frappe et qu'il la décale sur Nuno. Ah, mais si, mais ça, c'est... Après, il tente sa chance. Mais c'est vrai que là, on était un peu en supériorité numérique. T'avais Nuno qui était venu pour... Pour dédoubler. Là, il a bien après, il s'est dit ce soir, j'ai l'impression que dès que je touche le ballon, il se passe un truc, je tente. Je pense qu'il a envie de marquer son 200e but. Je pense qu'il l'a aussi. Mais il a le temps, hein. Non, faut direct. Non, mais c'est la 35e. Non, c'est fou contre Marseille, on voulait. Oui, non, mais bon, s'il peut faire une passe. C'est vrai, c'est vrai. Il est dans la passe aussi, on l'a vu. Je mange une tarte aux fraises devant le match, je kiffe. Ah, Mister Fresh, régale-toi. Nous aussi, on se régale devant le match. Ouais, t'as raison, Mister Fresh. On a vécu un petit moment stressant, mais là, je suis contente. Ah, quand il y en aura 3, je serai un peu mieux. Ouais, déjà, je trouve que les attitudes défensives sont plutôt bonnes. Daniel, la relance, c'est bien joué. Vitinha, la tête en profondeur. Dommage, ça se joue à... Si on voit la même chose à droite avec Mukiele, même si c'est moins, ça serait bien. Ouais, défensivement, ça équilibrerait un petit peu... Non, mais plus offensivement. Duel de vitesse. Voilà, montre-lui. Mendes, qui récupère cette balle. C'est toi le meilleur. Devant Nuno Tavares, Nuno mais Mendes lui. Face à deux joueurs. C'est la faute sur Nuno Mendes. Oh non. C'est un phénomène, Nuno Mendes. C'est incroyable. Ah, il est dans son match. Progression, c'est incroyable. Il a une telle fibre musculaire. Ouais. Moi, j'ai rarement vu un joueur, à part Lucas. Vous vous rappelez de Lucas? Ouais. C'est vrai que Lucas avait un peu un style de... D'explos. Non, mais l'explosivité, elle est... Putain, le mec, il part. Putain, c'est une fusée. Faut qu'on soit un peu plus haut quand même, parce qu'on a même 3 platis, là. Et limite, on le sent plus à l'aise avec la balle. Merci Sergio. Très à l'aise. Merci Sergio, fais monter le bloc. Attention, Nuno Tavares sur le côté. Oui, mon gamin. Super tacle. Oh là là là. Nuno Tavares, il est dans son match. Il est en mode Champions League. Là, il a dit aujourd'hui. Voilà. Aujourd'hui, non. C'est moi le vrai Nuno aujourd'hui. Non, mais les deux, en fait, ils sont. Fabien Ruiz également la récupération. Parce que c'est le duel aussi qui le stimule. Il a bien raison. Allez, Marquinhos, la relance. Avec attention, attention parce qu'il fait des pressings, Alexis Sanchez. Ouais. C'est un peu le spécialiste. La relance vers Mukiele, la balle récupérée par les Marseillais. Et derrière, super retour de Mukiele. Rabbit, s'il vous plaît. Non. Avec Vitinha. On va repartir, côté parisien. Boulet. Oui, ah, super, okay, ça, boulet, Sergio. D'accord. Vers Nuno, l'homme en forme, qui va pouvoir écarter. Ça, il a vu Mbappé. Passe. Allez, Mbappé en profondeur. Non, ça passera pas. Mais ça revient bien sur joué. Vitinha. Bien joué. Léo Messi. Là, il y a de l'espace. Léo Messi qui porte cette balle. Léo Messi en profondeur. Oh oui, Mbappé. Oh oui, Mbappé. Un contre un. Oh non, il n'arrive pas à pousser ce ballon. Il lui a mis un bonbon de passe. Ah, c'était exceptionnel. C'est... Parce que pour moi, c'était impossible de mettre cette passe. Paolo Lopez a très bien géré derrière. Mais oui, la passe. Il a attendu. C'est une dinguerie la passe de Messi. Là, c'est... Parce que... Non, mais c'était tellement dur à placer parce qu'ils étaient trois dans l'axe. Et surtout la vitesse d'Mbappé, l'anticiper, la mettre au bon endroit. Ah, il l'a pas vu, Vitinha était parti, Messi. Comment il a mis cette passe ? Rappel. C'est incroyable. Ah, ça fait deux occasions manquées pour les Parisiens pour allez, le 3-0. Il est là. Là, la prochaine, il faut la finir. Marquinhos qui part Marquinhos en profondeur. Il y va. Allez, Marquinhos. Il s'est dans la surface. Marquinhos, allez, le 1v1 peut-être. Marquinhos, frappe croisée. Juste à côté, le capitaine parisien a deux doigts de mettre le 3-0. On a dit, il y a de l'espace dans leur dos. Ah, en plus, il fait un contrôle pas forcément parfait, mais ça le met bien quand même. Et derrière, la frappe qui vient passer à 10 cm du poteau. Non, mais en plus, franchement, j'aurais été tellement contente que ce soit lui. Ah ouais.
Vitinha, il fait une mi-temps de malade. Ouais, la passe, elle est incroyable. Oh, il laisse faire un petit crochet. Non, il laisse faire un petit crochet sur la gauche. Non, les gars, par contre, faut mettre le troisième là. Sinon. Ça fait trois occasions manquées pour les Parisiens. Ben Ruiz, super retour. Allez, avec Mbappé. Allez, bouffe-le. Allez, Kylian. Bouffe-le. Et Eric Bailly qui va passer un sale quart d'heure encore une fois. La passe de Mbappé qui cherchait Vitinha, c'était bien joué. Ah, le coquin. Et le pressing des Parisiens. Allez, là, faut le récupérer. Marco Verratti. Non, tranquille. Bien pressé, rongé. Oh, c'est beau ce que vous faites, les gars. Marco Verratti, Léo Messi au pressing. On va voir les stats un peu parce que. Ouais, 40e minute pour l'instant. Ouh, la passe tentée dans l'axe de Paulo Lopez, ça passe. Très belle relance. Voilà, restez bien en place parce qu'il faut être costaud jusqu'à la mi-temps. Attention en profondeur. Là. Mais pourquoi Naruma tu sors, qui est sorti. Qu'est-ce qui se passe? Tout va bien. Parlez-vous, juste s'il vous plaît. Nuno Mendes. La relance manquée de Nuno Mendes. Fabien Ruiz également défensivement qui intercepte beaucoup de ballons. Il fait un gros travail. Il est dans le duel, dans l'impact. T'imagines que c'est un bon classico. En XG, le PSG est à 2 buts. Ça veut dire que les actions sont bien menées. Hein. Mm-hmm. On a quand même matérialisé un peu parce que. Ah, on aurait pu en mettre même davantage. Hein. On a Marseille, ils sont à combien d'XG? 0,37. Ah ouais, putain, pourtant, ils ont été oppressants, mais ils sont pas. 0 cadré. Hein. 6 tirs, 0 cadré. Mm-hmm. Par exemple, c'est 8 tirs. On va dire cadré. C'est leur centre très dangereux à un moment. Le coup de pied arrêté là. Ouais. Donnarumma à la relance. Eh, duel remporté, 33 quand même pour les Parisiens. Hein. Et combien pour Marseille? 19. Ah ouais, c'est là. Ah, tu voulais la sortir celle-là? Ouais, tu sais, tu me connais. Hein. Non, mais j'avoue que dans ce domaine-là, normalement, les Marseillais. Ah, mais on sent qu'au milieu de terrain, il y a une vraie domination des Parisiens. Ouais, après, ça et également sur les côtés. Attention, parce que là, dans le milieu de terrain, ils sont passés les Marseillais avec Rongier qui a pour écarter. Allez. Vers Nuno Tavares. Nuno Tavares, le centre tire. C'est à côté des cages de Donnarumma. Ça va. C'est vrai que ça aussi, il faut s'y attendre de la part de ce joueur. C'est un joueur qui. Je crois que c'est un des joueurs qui tire le plus dans son équipe. Ouais, j'abuse, mais. Gauche droit. Il l'a laissé passer. Non, mais enfin, au niveau des latéraux, c'est un truc de fou. À chaque match, il tente au moins 3-4 frappes. Il se fait plaisir, il se fait plaisir. Tu faisais ça aussi, Laure? Non. Trippi, toi aussi? J'étais plutôt sans. Pourquoi Donnarumma un coup de quart? Ah bon? Ouais. J'ai pas vu. Écoute. Bravo. Il a dû prendre un coup. Je trouve que Léo. Les gardiens, Léo Messi paraît plus léger sans barbe. Hein. Je trouve que. Oui. Hein. Ça doit lui enlever. Je le disais début de match, hein, Léo Messi sans barbe, c'est pas mal. Ah bah, les stats parlent d'elles-mêmes. Attention, reculer, les gars. Là pour les Marseillais avec Sanchez en profondeur. On va retrouver Nuno Tavares de plus en plus en vue dans cette fin de première période. Et derrière Fabien Ruiz, voilà. Ce ballon. Non, c'est ça, moi j'ai pas envie qu'on recule. Ouais, attention, parce que ça revient rapidement dans les pieds marseillais. Et puis la mi-temps, elle est pas encore là. Il y a eu la blessure de Kimpembe, donc autant te Sanchez, ouais, on recule, on en pivot. Sanchez, deuxième poteau. Vous qui êtes l'équipe qui chapelle cette balle, il y a une main marseillaise. Oui, et oui, c'est sifflé. Oh, monsieur Turpin, pour le moment, j'ai rien dit sur vous. Ah, merci Turpin. Faut continuer comme ça. On siffle les mains, ça nous ah, va. Ah oui. Le bras décollé. Hein. Oh, attention, il ne va plus servir en profondeur. Mais tu sais, le caméraman, il n'arrive pas. Ça va trop vite. Je peux pas suivre. Ils n'ont pas cette formation de. Pour de la vitesse, ouais, de fusée avec la caméra. Ils n'ont pas la formation Mbappé. T'imagines à l'école de journalisme. Alors aujourd'hui, on va faire la formation caméra Mbappé. Tu peux pas. Faut tourner la caméra, mais très vite. Attention, les Marseillais qui ont le contrôle de ce ballon dans ces dernières minutes de cette la première mi-temps. Allez, je ne sais pas. La position, elle est parisienne. Hein. Je vais te dire ça tout de suite. Hein. Alexis Sanchez, c'est quelque chose quand même. Parce que là, Oh, petite faute de Fabien Ruiz, visiblement. Ah non, les Marseillais, 56-44. Ouais, 56-44. C'est kiff-kiff, c'est pareil. 8 tirs pour Paris. Et 7 pour l'OM, 4 cadrés pour le Parisien, 0 pour les Marseillais pour l'instant. Qui montre-lui. Attention, parce que la dernière fois qu'il y a eu un coup de pied arrêté dans cette zone. Ouais, c'était très bien tiré. Hein. Là, pour le coup, faut pas prendre un but là, avant la mi-temps. Oh. Arrête. Faut pas prendre un but avant et après, à la reprise. Faut pas prendre de but tout court. Le coup franc pour l'OM. On a la même valeur tous. Ça va être tiré par Rongier, je crois une fois de plus, c'était Rongier qui avait tiré le premier. Non, c'était Veretout. Ah bah c'est Veretout, pardon. Veretout qui va le tirer ou... Je crois que c'est Kolasinac. Non. Veretout ou Under le Under non, c'est pas. Je crois que c'est Under ou Kolasinac. C'est Veretout qui le tire. Deuxième poteau, un peu plus fort. Hein, et ça va dommage. Finir en 6 mètres. Il est trop long. Il a moins bien frappé. Enfin, il l'a frappé tant de la mieux. Même manière, mais un peu trop forte cette fois-ci. Ah, ça se passe bien pour l'instant. Dommage. Ouais. Ça fait plaisir. Alors, on revoit. Oh, merci, le premier. Ouais. Le deuxième. En fait, comme ils ont marqué les surfaces foncées, on sait dans quelle zone il faut aller. Ouais, exact. Merci pour les indices. Non, je pense que du coup, Mbappé, ça l'inspire. On voit le câlin entre Mbappé et Messi, c'est un beau câlin, ça. Ah, ces joueurs. Ouais, après tous ceux qui disaient qu'ils étaient fâchés après la Coupe du Monde, c'était du délire. Ah, et la remise en jeu parisienne. Nuno Mendes, face à deux joueurs. Oh là, il a failli passer.
T'es pas grave, les gamins. Tavares, allez. Tavares, récupère cette balle. Le pressing de Vitinha, c'est bien ce qu'il fait également, Vitinha. Allez, bientôt la 45e. Allez, restez en place. On va pas chercher, gamin, laisse. Ouais, pas trop non plus. Faut leur laisser d'espace, attention. Merci, Marquinhos. Marquinhos qui retouche cette lui, balle. Oui, c'est Wunder qui retouche. Ouais. C'est touche bien. Pour le PSG, parfait. À mi-temps sérieuse, appliquée des Parisiens. On a senti que les consignes ont bien été respectées et que c'est la stratégie du coach également de jouer de cette façon-là. Après, au-delà des consignes du coach, c'est surtout les attitudes, le comportement qu'ils ont sur le terrain, l'engagement que les Parisiens ont sur le terrain. D'avoir fait le dos rond en attendant la première occasion d'Mbappé. D'avoir tenu, parce que pour l'instant en tout cas. Attention, en profondeur ici. Là, merci. Marquinhos, tu cours vite. Hein. Arrêtez toute attaque marseillaise. Dégage-moi ça, la gamin. Donnarumma, la relance. Voilà. Dans l'axe. C'est pas grave. Au moins, c'est parti loin. Mais ça revient. Touche, ça va plus loin et plus haut. Ouais. Ça revient avec Veretout. Allez, gars, allez. Allez, on maintient. Malinowski dans l'axe. Il est passé. Malinowski la frappe. Bien joué. Et quel tacle de Verratti. Il a pris le ballon. Non, il l'a. Avant. Et coup franc très bien placé là pour moi. Il touche la balle et l'autre lui shoot dans le. Coup franc très bien placé pour les Marseillais. Marco Verratti qui visiblement touche légèrement. Ah non, si, il touche. Il met d'abord son pied. Ouais, je pense qu'il touche le joueur. Il met d'abord son pied. Regarde là, il met son pied. Moi, je crois qu'il touche le joueur. Et après, derrière. Il le gêne au final. Oui. Il gêne le ballon. Ça fait très mal d'ailleurs. Pour info. En fait, il met son pied devant la frappe du joueur. S'il avait touché le ballon, il par peut contre, se faire mal, hein, par ouais, contre. Les deux. Et s'il avait touché le ballon, je pense qu'il aurait, il n'aurait pas sifflé, mais. Ah, les gars. Je sors de lui donner une petite frayeur avant. Merci. Coup franc très, très, très bien placé là pour l'OM à la 45e minute plus 1. Là, c'est vraiment un coup franc dans l'axe, 20 mètres. C'est un carrousel, ça. C'est un coup franc très, très dur hein, à gérer. C'est vrai qu'il a une petite trace de Donnarumma sur l'œil. C'est un coup franc légèrement plus près que celui que Léo Messi a inscrit contre là, Lille. Là, tu peux mettre quelqu'un au sol. Et attention parce que Alex Sanchez va se charger de ce ballon. Je pense qu'il va tirer côté gardien. Quand on connaît sa qualité de pied, on a forcément envie de douter un peu sur le résultat pour l'instant. Ah, parce que lui, les feuilles mortes, il s'y connaît, il aime bien ça. Ah, Didio. Oh, le côté gardien, il y a Guendouzi. Le mur, Odinho. Roma, s'il te plaît. Ouais, c'est vrai que côté gardien, il y a des Marseillais qui viennent gêner un peu. Si on pouvait en rajouter un Parisien en plus, parce que là, j'ai l'impression qu'il y a un espace. Il y a un espace côté gardien, attention. Il y a deux espaces, en fait. Il y a deux trous, là. Il y a Kelly qui s'est mis dedans. Oh, le gamin, il l'a vu. Oh, sinon, on le voit, il l'a vu aussi. Sinon, on le voit, il l'a vu. Il place quand, ces joueurs? Il le voit pas, le trou? Ouais, il y a un vrai trou, là, côté gardien. Il doit pousser un petit peu, tu vois. Allez, Mukiele avec Verratti, peut-être, mais je sais pas. Ouais. Le coup franc qui va être tiré par Alex Sanchez. Vraiment, c'est tellement proche des cages que. Ils sont derrière la ligne, qu'est-ce qui se passe? C'est compliqué. Turpin qui fait. Dodo. Et pour toi, celle-là. Oh, le trou. Ça fait un peu flipper quand même. Ouais, ça fait flipper. Le coup franc avec Sanchez, c'est tiré. Ça passera au-dessus. La claquette de Donnarumma qui vient le toucher également. Monsieur, il faut siffler. Sinon. Je crois que ça passait au-dessus dans tous les cas. Il la touche, mais je pense que ça va. Vous pouvez faire barre. Ouais. Ça fait plaisir. Je pense que c'était au-dessus, moi. On le saura jamais. Ah, il l'a assuré. Corner pour l'OM, attention. Ouais, les gars. Dernier corner avant la mi-temps. Au mental. Ça va arriver, deuxième poteau. La tête parisienne. Et on dégage cette balle. C'est la mi-temps. Arbitre. Parfait. Merci. Allez, 2-0 à la mi-temps. Situation avant la pause. Ça fait peur, mais on s'en sort bien. Faut dire également qu'on était très très proche du 3-0 dans cette première mi-temps. C'est pour l'instant ce qu'il a manqué aux Parisiens, mais qu'est-ce qu'il a manqué? On gagne 2-0. On va arrêter de partir là-dessus parce que là, pour l'instant, c'est une super mi-temps. Je trouve que le plan est bien réussi. Le plan est plutôt parfait. Les choix sont bons de Christophe Galtier parce qu'on a vu une première mi-temps où, évidemment, ils ont un petit peu subi. Tu as la pression, tu es à l'extérieur, tu es au Vélodrome. Tu joues face à une bonne équipe en plus. On n'a jamais dit le contraire sur Marseille. Il ne faut pas mentir. C'est une bonne équipe et encore plus cette année. Donc, j'ai trouvé qu'après, on a bien senti ce que Galtier voulait faire, c'est avoir de l'audace technique au milieu de terrain pour vite lancer des contres, soit sur les côtés avec Nuno Mendes, soit avec Kylian Mbappé dans l'axe assez simplement. Et on s'est rendu compte que bah, quand on arrivait avec beaucoup de justesse technique à le toucher, je parle plutôt d'Mbappé, mais à mettre de la vitesse dans la profondeur, on a été super décisif. Et tu as deux joueurs qui sont de classe mondiale.
je dirais même pas mondial, je dirais interplanétaire. Et c'est vrai que les deux, ils se sont connectés. Et quand ils se connectent, tu n'as rien à faire. Tu peux rien faire. C'est vrai que les deux sont sur les deux buts. Hein. Messi pour Mbappé sur le premier. Mbappé pour Messi sur le deuxième. Côté défense également, on n'a pas trop concédé d'occasion pour l'instant. Un PSG qui est en place. Ouais, en place, on arrive à bien contenir les offensives marseillaises parce qu'on est bien en place. On arrive à bien structurer, à bien naviguer aussi, même si Vitinha, Fabien Ruiz et Verratti, ceux qui défendent un peu plus sur la largeur. Après, il faut continuer. On a quand même reculé quand on a mis le deuxième but. Et c'est là où j'ai un peu peur, parce que quand on laisse un petit peu Marseille dans une bonne position offensive, ils peuvent faire très mal sur les côtés, avec énormément de centres. Mais aux Parisiens, vraiment, de rester serein, parce que sur cette première mi-temps, ça a été... franchement incroyable dans l'investissement des joueurs. Ouais. Et on espère qu'en deuxième mi-temps, ils vont continuer, ne pas s'arrêter. Parce que c'est ça un peu la difficulté, c'est de réitérer la même performance qu'en première période. Mais voilà, ça, c'est vraiment les Parisiens, on va dire dans sa globalité, qui doit faire face aux Marseillais. Ils ont abattu un gros travail, on a senti un équilibre défensif. Alors oui, Mbappé et Messi défendent un peu moins, et par moments, je pense qu'il va falloir corriger ça, revenir au moins dans la ligne pour avoir un bloc assez homogène. Mais sinon, j'ai trouvé que les trois, ça fonctionnait bien, aussi bien offensivement que défensivement, et plutôt défensivement, comme c'était un peu notre point faible. Ces trois-là ont fait un abattage et des récupérations de ballons de folie. Donc j'ai même trouvé que les trois de derrière ont été plutôt préservé, quoi. Ouais, tu vois, limite, c'est plutôt le milieu de terrain qui faisait la première lame. C'est vrai qu'on les voit énormément au milieu de terrain récupérer beaucoup de ballons. Un petit regret pour un 3-0 largement possible par les Parisiens, qui aurait pu arriver à trois reprises. J'avais oublié. Ouais, bien sûr. Non, bien sûr, parce que l'occasion de Messi, l'occasion de Mbappé en face à face, il y en a une aussi. Et Marquinhos, voilà. Trois occasions énormes. Bien sûr que ça, après, c'est en fin de match qu'on saura si c'est un regret ou pas. Mais ce qui a été très intéressant, c'est là, c'est Marquinhos qui est parti en profondeur. Juste avant, sur le but, c'était Vitinha qui était parti en profondeur. Après, il a été en point de fixation pour trouver Lionel Messi. Donc, il y a aussi une variété aussi dans le jeu qu'on n'a pas vu en Coupe de France. En Coupe de France, on s'est un peu embêté à vouloir ressortir le ballon de derrière. Alors que là, on arrive à varier, à chercher directement plus loin et avoir des joueurs de face pour pouvoir après trouver la profondeur. Et je trouve que c'est là où il y a eu cette intelligence des joueurs et de la part du staff d'avoir travaillé de cette façon. Ben, en fait, ce qui est bien aussi, ce qu'on peut pour conclure, c'est qu'on se rend compte que la profondeur ne peut venir aussi pas que de Mbappé. C'est ça qui est intéressant, c'est qu'elle peut venir des côtés. On savait qu'ils étaient rapides. Bon, Marquinhos, j'avoue, celle-là, je l'ai pas pu venir. Mais, non plus. Mais Vitinha, par exemple, dépassement de fonction, il faut de temps en temps y aller. Et je pense que c'est des joueurs, ils n'ont pas des charrettes non plus. Ils peuvent y aller dans la profondeur pour perturber l'adversaire. Et c'est bien, il faut se lâcher. Et c'est comme ça qu'on arrivera aussi à créer des problèmes aux adversaires. Super mi-temps pour l'instant des Parisiens. 2-0 au compteur. On se retrouve dans quelques secondes pour la seconde mi-temps. En attendant, le no comment des Parisiens de cette semaine pour... toujours être dans la bonne humeur. À tout de suite. Le vendredi, c'est no comment. Fini. Je vais bien. Je suis pas fatigué. Non, l'ordi bosse trop là. Ah. C'est le travail caché, on appelle ça le travail caché. Il est en enflammade totale. Il t'a dit c'est bien. Tu... Parce que c'est vrai que c'est bien. Ça va. Bonjour. Salut Kylian. On est passé, on arrive ici, on passe, on joue. On y va. Allez. Et la moitié blanche, vous voulez, et la moitié noire. Vous voulez les équipes? Bonjour, ça va. C'est tout à l'intérieur, toujours à l'extérieur pour chaque équipe. Mets-le au sol. Voilà.
seul. Ça arrive. C'est ça, coach. On y va. Maman. Tous. On y va. On y va, les gars. Va. À dimanche. Bien sûr. Bien, pas de soleil aujourd'hui. C'est Paris. Corre. Méchauvant. Aïe! Pour Sergio, va va. C'est pour moi, hein, je sais. Sergio, allez! Qu'est-ce que ça? Ça va. Allez, gars, on y va! On peut tester! C'est bon!
Salut beau gosse. Ça va Fresco? Non, j'ai donné l'effet. Bleu. Merci. Encore une fois. Tous les jours la victoire. Skirt out in the whip, but do not crash. See you looking at me, hater, why you look so mad? Pull off of the car lot, push button at hard top. Las Vegas at the Hard Rock, you can see the time on my smartwatch. Bent out in the penthouse, still a player with the pimp mouth. Your girlfriend is my friend now, and she loving it when we spin out. Hop in the Porsche, I go fast, go fast, go fast. Hop in the Rari, you go fast, go fast, go fast. Skirt out in the whip. Why you look so mad? Hop in the Porsche and I go fast. De retour sur la chaîne Twitch et sur la chaîne YouTube du Paris Saint-Germain pour ce match Hunter OM Paris Saint-Germain, 25e journée de Ligue 1 qui se passe à merveille pour l'instant. Pour l'instant, ça se passe plutôt bien, pourvu que ça dure. Espérons que la pause
n'ait pas fait trop redescendre en fait finalement l'adrénaline et l'intensité qu'on et a vu. Et c'est reparti dans cette seconde mi-temps. 2-0 pour l'instant pour le Paris Saint-Germain. C'est vrai, il faut continuer dans cette dynamique. Ah, Rongier, c'est pas quand tu te poses dans le vestiaire, tu vois ce que je veux dire ? Et que tu dois repartir, c'est pas si simple. Ouais, surtout que l'OM là direct va attaquer et bien sûr, il y a foot. Sur Nuno Mendes, au moins c'est bien sifflé. Après avoir... les deux là, mais les deux c'est trop drôle, c'est the match. Ouais, il le match. Pousse un peu. Et après il y a une place aussi en sélection hein, qui se joue entre les deux. Je sais même, il est sélectionné Tavares ? Pas encore, mais bon, ça reste c'est quand vrai. Même un bon élément. Non mais il mériterait, c'est vrai. Il est un peu plus. Il faut dire côté gauche avec Cancelo, Nuno Mendes et Tavares. Les latéraux au Portugal, c'est incroyable. Il y a du monde. Ricardo Pereira également. Mmh. Ah, c'est à droite, ça plutôt, mais il y a du monde sur les latéraux, c'est vrai. Non, il y a celui de Dortmund aussi, Guerrero. Guerrero. Mmh. La liste est longue, je pense, pour le Portugal. On en oublie certainement également Alex Telles. Ouais, non, c'est, c'est brésilien, non ? Brésilien, pardon. C'est brésilien, il jouait à Porto, c'est pour ça que j'ai confondu. Mais il y avait du monde. Kimpembe. Si c'est Mbeki. Qui c'est Mbeki, c'est ton don. Parce que quand t'as un claquage, même de l'ischio. Ah. Alors, on a Alex Sanchez qui est tombé. Parce que je pense qu'il disait. Je pense qu'il y a eu le mec du bord terrain. Ouais, bref, je me suis emporté. On a un coup franc intéressant là pour les Marseillais. Attention, 47e minute de jeu. Ouais, ça m'énerve déjà. Ah, c'est le genre de coup franc qu'on n'aime pas trop voir. Hein, parce que. Il tire bien. Sur coup de pied arrêté, c'est des situations où souvent le PSG se fait surprendre. C'est bien tiré. C'est. Repoussé par les Parisiens, ça revient sur Tavares, l'enroulé qui passera à côté heureusement. Ah, ça va Tavares quand même. Oh. Oh. Il a de l'audace, mais des fois il en a trop et tant mieux. Ouais, pour l'instant, le Nuno en forme, c'est le nôtre. Attention parce que là, si le ballon vient vers Rongier, il n'y a personne hein, en sortie. Hein. Parce que Danilo couvrait encore un petit peu. Allez, 2-0 pour l'instant pour les Parisiens. On vous rappelle les buteurs pour ceux qui arrivent avec Mbappé et Léo Messi. Service de Léo Messi pour Mbappé sur le premier but, service de Mbappé pour Léo Messi sur le second but. Les deux complémentaires. Et bien sûr, ce match qui est au Vélodrome aujourd'hui, les Parisiens en déplacement. Non, là, il faut continuer à jouer, il faut les appuyer si on peut. Hein. Ouais, faut. On peut rigoler avec. Ah, si on peut en mettre 3, c'est 4, sûr, 5, 6. Il ne faut pas redescendre en intensité, c'est ouais. La base du truc. Marco Verratti un peu en retard ici, mais ça passe. Un joué Vitinha. Quel mi-temps de Vitinha ? Danilo, qui va écarter à droite. Oh, la passe un peu compliquée, mais ça peut donner quelque chose, pourquoi pas. Ah, il l'a pas senti. Ouais, non. Il l'a pas senti. Parce que c'est un bon ballon de Danilo dans la profondeur. Et là, on a un PSG qui est remonté, le bloc beaucoup plus haut. Ça doit certainement être des consignes. Hein. Ouais, pour ne pas trop souffrir. Attention, parce qu'Alex Sanchez prend la profondeur. Les gars. Il intervient devant Sergio Ramos. Bien joué, Danilo. Danilo la relance. Profondeur. Fabien Ruiz qui a de l'espace. Profondeur vers Mbappé. Ah non, il s'est trompé dans les pieds. Ouais, ou alors si tu lui mets, mets-lui une frappe appuyée sèche. Ouais, la passe un peu trop courte, il n'a pas et pu la prendre. Tu lui mets sur son pied droit. Tu lui mets pas sur son pied gauche. À qui ? À Kylian, parce qu'en fait, tu le mets plus vers l'extérieur. Ah oui, non, du coup, tu me disais que Mbappé était gaucher. Tu vois ce que je veux dire ? Je me suis dit, mais dans quelle planète vit-il, mon tripi ? J'ai mal décrit l'action, excusez-moi. Parce que Mbappé était dos au but marseillais, donc il était sur son pied droit. Attention, Verretou qui va repartir avec Guendouzi ici. Matteo Guendouzi va pouvoir écarter. Bien joué, Marco, d'aller... sur le côté, une fois de plus. Sanchez qui a décroché. Sortir. C'est sûr qu'il est rentré. Sanchez avec Guendouzi côté droit. Les Marseillais qui écartent le bloc parisien. On voit que les milieux sont plutôt à distance. Ouais, mais c'est ça. Ça suit bien côté parisien. Attention parce qu'ils ont réussi à trouver un décalage. Ça, mais ça la passe qui ne passera pas côté Marseillais. 6 mètres pour Donnarumma. C'est Rongier là qui vient se tromper. Ça se voit que c'est les milieux de terrain. Ils aiment trop la passe. On cherchait Malinovski. Et le 6 mètres pour Donnarumma. On aperçoit l'échauffement côté Marseillais également du monde. C'est Vitinha, je crois, au milieu. La nouvelle recrue de l'OM. Mais oui, on dégage. Klose également à l'échauffement. C'est Marseillais. Klose, c'est un peu une surprise de ne pas le voir titulaire aussi. Bah après, il y a le. Après, il y a aussi un défi. Fender, il est hyper en forme en ce moment. Puis même, t'as un défi physique sur le côté. Nuno Mendes qui remporte une fois de plus son duel. C'est Fabien Ruiz, pardon. C'est Marquinhos qui a remporté. C'est Marquis ? Lâche maintenant, Marco, s'il te plaît. Marco Verratti face à 3 joueurs. Hein. La balle perdue, malheureusement. Il n'y a rien, ça sort, heureusement. Il ne donnera rien derrière. Il n'y a rien, Marco. Marco. Ouais, il avait réussi à effacer 3-4 joueurs, mais derrière, il y en avait un cinquième. Si tu élimines 3 joueurs, c'est qu'il y a 3 joueurs en moins pris pour défendre. Le nombre de touches incite la pression de l'adversaire. Oh, la super passe là de profondeur de Mendes. Ah oui, ça j'aime.
Ah, ça ressort bien avec Marco Verratti en profondeur vers Vitinha justement. Et là Vitinha qui prend la profondeur. Provoquer un contre un, là, on veut voir là un peu. En retrait, ils ont anticipé sur Mbappé. Il garde cette balle. Quel match pour l'instant de Vitinha, pourvu que ça dure, parce qu'on est un petit peu bien fou. Faut les faire courir un petit peu les Marseillais. Oui. Mbappé, le contrôle orienté, la faute sur Mbappé et le carton visiblement, je pense. Non. Merci monsieur l'arbitre. J'aime quand vous êtes comme ça. Pas de carton pour Balerdi, ça aurait pu. Non mais le contrôle orienté, ça va vite. Hein. Quand tu dois défendre contre lui, ça doit être l'enfer. Ouais, là, il l'attrape au niveau du cou. C'est pas en fait. Ouais. Parce qu'il peut arrêter, il peut te provoquer en un contre un. Ça va prendre la vitesse. Si t'as pas la vitesse d'Mbappé, déjà c'est. Dans la surface de la réparation, ils sont d'Mbappé, bien, ils sont bien les coups. Qui a la vitesse d'Mbappé ? C'est ça la question aussi. Mbemba est très rapide. Nuno Tavares a dit qu'il a. Ça vient. Oui. Oh, c'était plutôt bien joué, j'aime bien. D'avoir protégé. Ah, il y a touche pour ballon. Les Parisiens. C'est un gros duel entre les deux aussi. Hein. Ouais. Entre... ouais, mais de l'autre côté, c'est vraiment le. Ok, le super titan, touchant. Quoi. Dans l'axe avec Mbappé dans la surface. Mbappé, il va retrouver Léo Messi. Vitinha, pardon. Vitinha, le centre, une touche. Oui Mbappé, oh la tête, il passe juste à côté. En première intention. Oh, Vitinha, quel centre de Vitinha, c'était bien joué. Oh, non, le réalisateur, c'est pas. Ah, il a raté. T'as fait un accéléré. Mauvaise touche. Même pas ça. Ah là là, c'est dommage, mais c'était bien joué en première intention. C'est bien joué par Vitinha aussi. Hein. Faut pas qu'on regrette par contre. Vitinha qui est vraiment sur toutes les actions dangereuses presque. Puis là, c'est une action côté droit. Attention là-bas. C'était quand même assez rare pour le signaler. Danilo et Ramos qui ont bien anticipé. Faut pas regretter. Arrête. Vous parlez comme les grands sages. Allez, Kolasinac, sur le côté. Je veux le doublé, nous dit Zoni sur le chat. Mais le doublé de qui? On le veut tous. On veut le 200, c'est le 200ème, du coup il égale Cavani. Hein. C'est quoi le scénario que Messi aussi peut mettre en double. De seconde mi-temps rêvé pour Laure et Trippi ce soir. Un but. Un seul rêvé. Rêvé ben, à la Manita. Ah. Mais bon, écoute, moi si. C'est beaucoup. J'ai pris l'habitude de pas être. Oui, Messi, reviens défendre, gamin. Ah, et la relance des Parisiens. Fabien Ruiz, très intéressant également ce soir. Il a pris la profondeur, Fabien Ruiz. Ah, il faut le servir peut-être. Et regarde l'axe du terrain, comment il est Marseillais. Oh oui, c'est bien joué, Sergio Ramos, la relance avec Verratti. Qui prend la profondeur, ils sont cuits en fait. Bah justement, Fabien Ruiz avait décroché ici. Ça dédouble avec Nuno. Mbappé sur le côté. L'accélération dans l'axe de Kylian Mbappé. Il va passer tout seul. Mbappé la passe vers Marquinhos. On recherche Mbappé encore une fois. Est-ce que ça va vite? Ça revient ce ballon. C'est faute. Marquinhos. Voilà. Oh, monsieur l'arbitre. La faute là sur. Il y a faute avant. De Nuno Mendes. J'ai vu un spring de Turpin, pas compris. Faute de Marquinhos. Ah. Mais c'était. J'aime bien ce petit côté, je vais tracler. Oh, et derrière, Nuno Mendes. Les contacts. Là, alors, on voit l'action. Ah. Vitinha qui. Intention. Tac. Oh. C'est très bien joué. Oh là 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 là. Qu'est-ce qu'il fait, Dodo? Oh, attention, la qu'est-ce qu'il fait et le centre ici, ça passera. Il joue à quoi côté, heureusement. Punaise. Oh. Alors là, le réalisateur également qui. Mais non, gamin. Des choses bizarres, mais. Il y a eu une ouverture pour les Marseillais. Laisse le duel se faire, là. Donnarumma qui était sorti un peu hasardeusement. Et ouais, laisse le jouer. T'inquiète que. Il l'a vu. Hein. Il l'a touché, non? Je sais pas du tout, mais laisse le duel se faire. T'as Danilo qui est là, tu laisses aller au duel. Ah, surtout que Sanchez en love. Sanchez, tu peux pas faire des trucs comme ça. Hein. Ouais. Parce que lui, il a le flair en plus. En première période aussi, il l'a fait. Il est sorti. Ça me rappelle qu'il a. J'ai jamais vu autant de gardiens faire des boulettes avec la présence de Sanchez. C'est genre, il vient. Je sais pas, il a. En fait, il a un truc, je pense. Mais pourquoi il est sorti? Ça me rappelle en plus Sanchez qui avait mis un lob incroyable avec le Barça contre le Real. Attention les gars, merci. Voilà, Danilo. Merci Dani, encore. Lors d'un 5-0 je crois. Contrôleur. Oh là, Danilo qui a tassé le petit pont ici. La relance derrière. Attention, pressing qui arrive. Ramos, super passe dans la... Ah oui. Et allez, contre le Fabien vas-y, Ruiz. Continue encore. Il y a de l'espace. Mais lui qui va prendre le ball, Fabien Ruiz avec Mbappé. Non, non, il a raison. Allez Kylian, qui va temporiser un petit peu Léo Messi. Mais lui. Léo Messi pour Mbappé dans la surface, Mbappé en une. Et oui, mais oui, 3-0, monsieur Kylian Mbappé pour le 200ème but du Paris Saint-Germain. Enfin, de Mbappé, pardon. Quel but. Quel but de Kylian Mbappé, le 200ème. Quelle passe, mais quelle passe de Messi. Non mais Messi, il s'est mis en mode quoi, genre caviar. Je suis. Il y a un mode caviar. Oh là là, ouais mais là c'est un timing vert. On je suis le golfeur. Une passe timing vert, on va dire. Non, non, mais regarde, l'intelligence de Messi... Il y a Fabien Ruiz qui prend la profondeur, puis il s'arrête. Et après, derrière... Oh là là là, pied gauche. Le pied gauche d'Mbappé, la précision. Oh, c'est beau. 3-0 pour le Paris Saint-Germain, quelle soirée.
Oh, c'est beau, punaise. Et Mbappé, j'aime bien parce qu'il est malin, parce qu'il donne à Messi, il sait exactement ce qu'il veut faire. Et puis, l'intelligence, il n'est pas parti comme... Ouais, il aurait pu aller comme ça. Aller, ouais. Tout ça. Là, ouais, il s'est dit, il y a Messi qui a pris de la distance par rapport... Je vais me servir de sa qualité de passe. Voilà. Il s'est servi un petit peu de l'appel de bas de Fabien Ruiz qui a emmené tous les Marseillais. Et derrière, wow. Il lui met un caviar. Oui, Galtier, oui. C'est bien, ça va leur donner confiance aussi, parce qu'il a été très critiqué. 200e but, eh oui. On le précise. Il égale Cavani, donc déjà il égale Cavani au Vélodrome. Donc, c'est beau. Eh ben, franchement, tu sais quoi, le truc rêvé, ce serait qu'il dépasse Cavani au Vélodrome. Ouais, le meilleur buteur de l'histoire du PSG. Là, faut doser. Au Vélodrome, ce serait beau. Bah, il faut qu'il en marque juste un. Oui, mais contre le Bayern, je préfère, tu vois. Avec, là, qu'il s'arrête, qu'il soit dans la passe un peu. Qu'est-ce que t'en penses? Ouais, mais. Bah, également, celui qui fait un gros match. Léo Messi, un but de passe D. Je veux que ce soit une belle. Allez, Messi, justement, encore une fois. Oui, le crochet de Messi. Ouais, j'aimerais qu'il va écarter. Messi fait un très bon match. Vous les appuyez, là. Ouais. C'est Marseillais, là. Fabien Ruiz aussi, un top match. Ouais, ça raconte, là. Faut les appuyer. Tu parlais de la Manita, pourquoi pas, pourquoi pas. Ça part comme ça. C'est vrai qu'elle paraît un peu plus. On les appuie. Abordable. Comme ça, ils se relèvent pas. Après un match, ça peut aller vite, d'un côté comme de l'autre. Et au final, tu vois que les Marseillais, quand leur plan de jeu ne marche pas, il n'y a pas d'adaptation. Ils n'arrivent pas à se réadapter. C'est toujours la même chose. Une ouverture pareille en défense centrale, c'est incroyable. Ramos, la relance. Les Parisiens qui prennent leur temps. Mais jouer pareil aussi. Hein. Allez. Non, mais ça fait sortir un peu les Marseillais. Après, derrière, on peut les s'ouvrir encore plus rapidement si jamais on arrive à sortir de ce pressing. Sur le but. Il fait un bon match aussi. Le milieu, rien à dire. Elle a passé un peu compliqué. À part Verratti. C'est presque... Normalement, à la base, ouais. Verratti, c'est le meilleur élève. Et non, mais oui, ça va, il fait un bon match quand même. Mais c'est vrai que il fait de la gourmandise de temps en temps. C'est vrai que Fabien Ruiz et Vitinha font un super match. Il aime bien le dessert, il aime bien manger sucré, le gamin. Mais là, il n'y a aucun joueur parisien pour l'instant. 3-0 à la 56e, c'est incroyable. Peut-être Donnarumma qui nous fait quelques sorties hasardeuses, ouais, mais pour l'instant. Mais le match n'est pas fini. C'est vrai. Attention, les gars. Allez, Moukielé, côté droit. Faut la passe un peu compliquée là, pas, mais ça va sur Mbappé. Il y a de la réussite et ça continue ici avec Léo Messi. Léo Messi, le crochet, ça passe. Léo Messi qui a fait la différence sur le côté gauche. La passe de Messi pour Vitinha. Vitinha qui se retourne, Mbappé. Mbappé, la frappe. C'est capté par Paulo Lopez. Franchement, la passe de Messi, vous l'avez vue ou pas? Oui, tout à fait. Ah, elle était incroyable. On a très bien vu. Bah, en fait, moi, je m'attendais pas du tout à ce moi non plus. Je me suis dit, quand attention, le pressing. Raté des Parisiens ici. La relance marseillaise qui peut aller vite. Allez, Nuno, reprends ta ligne. Prends un raccourci. Le Tavares. Exactement. Le Tavares, le centre contré par Marquinhos. Ah, Marquis. Il prend son temps, Marquinhos. Oh là là, il a foutu sur Marco Verratti. Voilà ce qu'on veut dire. Je sais, mais. Il absorbe la pression, tu vois. Il absorbe la pression. Ah, il va avoir une densité. Ah, c'est dommage qu'elle n'ait pas partie. Hein. Ouais. On aurait pu faire un but un peu comme contre la Croatie pour Mbappé en finale de Coupe du Monde. C'est frappe à ras de terre là qu'il aime bien. Un peu lointaine, 3-0 pour l'instant, 58e minute de jeu. Qu'est-ce qu'il doit dire Mbemba dans sur... Ouais, ça fait du bien qu'il soit pas là, moi, d'ailleurs. Ouais. Je pense qu'il Mbappé qui était reparti ici. Il aurait vraiment posé des problèmes à Mbappé. Ah, c'est sa vitesse. Déjà en vitesse, dans les duels aussi. Après, il va avoir de la fatigue aussi, parce que les Parisiens... Après, je pense qu'il va falloir gérer aussi les deux de devant. Non, les deux de devant sont trop. Non, alors, ouais, sur le banc, côté parisien, on va les sortir à un moment donné. On a Juan Bernat, Sergio Rico, Dan Lu qui est déjà rentré, qui a remplacé Kimpembe, Carlos Soler, Timothée Pembele, El Shaddai Wilbichabu, Warren Zeremri, Hugo Ekitike et Akimembele. L'arbitre. Il a pas beaucoup d'options, non? Ou c'est moi? Il y a Carlos Soler et Warren Zeremri au milieu de terrain qui jouent en général. Juan Bernat, c'est vrai qu'il y a pas beaucoup d'options sur le banc aussi. Deux joueurs habituels, on va dire. Oh là 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 là. Léo Messi, bravo Messi, bravo. Marco Verratti, la passe avec Vitinha, ça joue bien. Mais Vitinha, c'est quelque chose. Il la lâche pas ici. Attention. L'action derrière. C'est pour bien les ça. Les Marseillais vont rien lâcher jusqu'à la dernière minute, je pense. Et la sortie de. Carton. Marquinhos, un carton. Peu en retard sur Nuno Tavares. Ouais, ça peut valoir un petit carton, mais je pense pas, vu qu'il en distribue pas trop dans ce match. Ah, tu reprends, tu l'as joué comme ça. Disons que c'est épaule. Enfin. Ça va, c'est pas le pied qui touche, ouais. C'est bien la hanche. Ça aurait été le pied qui touche. Ça vaut un jaune, ça, je suis pas d'accord. Là, il est en train de crier sur Vitinha. L'arbitrage qui est bon pour l'instant. Je suis d'accord parce qu'il avait fait une prise d'orientée, mais des fois, quand elle passe, c'est que c'est vraiment bien joué, je veux dire. Ah Warren Zeremri qui va rentrer au milieu de terrain. Bah oui, mais c'est parce que devant, il n'a pas vraiment d'options. Et Kitike, il n'est pas en confiance. Non, mais puis même, les deux sont là. Quand ils sont bien connectés, vaut mieux les laisser. Le coup franc qui fait peur. Ouais, le coup franc intéressant là pour les Marseillais.
vrai qu'il a un petit truc à l'œil, Donnarumma. Certainement Vitinha qui devrait laisser sa place, je pense. Soit Vitinha, soit Fabian Ruiz. Peut-être Verratti. Fabian Ruiz, comme il est costaud. Je me dis le coup franc de Veretout tiré au second poteau, c'est bien tiré, la tête marseillaise contrée. Tape ça bien. Ça revient dans les pieds marseillais. Avec ce centre premier poteau dégagé par Marquinhos. En les corner gars. Peut-être, non. Marco Verratti qui vient au duel. Les gars, c'est comment? La tête de Marco Verratti qui récupère le 6 mètres devant Under. Qu'est-ce qui se passe? Une tête de Marco Verratti pour récupérer un 6 mètres. On s'est fait il avoir. L'a mis sur le dos, regarde. Tac. On s'est fait avoir. Tac. Ah là là. C'est filou. C'est ouais. Est-ce qu'il a fait exprès? Il s'est 16 dit, ans. Je vais l'embêter un peu. 16 ans est rentré au stade Vélodrome. Ah, non, c'est qui, Mukiele qui va rentrer, qui va sortir. Ah, c'est lui qui va jouer sur le côté droit. Warren Zaïre-Emery qui avait été testé un peu au côté droit, donc il peut peut-être jouer en. Après, c'est normal parce que Mukiele vient de revenir aussi. T'as Pembele sur le banc. T'as Pembele sur le banc et t'as également Juan Bernat. Plus de certitude avec Zaïre-Emery. Zaïre-Emery qui rentre donc sur le côté droit. Après, on peut peut-être repasser sur une défense à 4 aussi, à voir. Moi, je laisserai la défense comme ça. Je ne changerai pas. Non, faut pas changer. Mukiele également, super match pour une reprise. Faut pas changer parce que ça permet aussi à Sergio Ramos d'être dans l'anticipation. Un petit mot sur Mukiele pour sa performance. Très bien. Ouais. Dans l'intensité, bon. On sent qu'il en a encore une marge de progression sur son aspect athlétique. Il a été propre, il n'a pas perdu de duel. Oh Mbappé, il est facile, Kylian Mbappé, la récupération grâce à lui. Derrière, ça va jouer rapidement avec Fabian Ruiz. Fabian Ruiz qui a tenté le petit pont ici. La balle récupérée par Fabian Ruiz avec Mbappé. Tu l'as vu. La fin de Kylian Mbappé. Allez, de l'autre côté, rapidement. Un ressort derrière. Oui, Zaïre-Emery, vous avez vu le petit appel dans l'axe qu'il a fait? Bonjour. Les gars reculés. Les Parisiens qui sortent ici. Marco Verratti. Il faut sortir d'ici. La relance de Marco Verratti qui fait tourner l'adversaire dans tous les sens. La petite faute sur Marco Verratti, bah oui, c'est trop dur de prendre la balle. Il est chiant quand il fait ça. Le centre de gravité est tellement bas que c'est impossible. Tu peux pas l'attraper. Imagine quand tu veux défendre contre lui. Tu peux pas l'attraper. Il est chiant. Oh, quelle passe là de Marco Verratti pour Vitinha. On va lui aller, montre-lui. Allez, à gauche, il y a de l'espace. Là, Nuno Mendes. Nuno Mendes, mais je pense que quand il va se remettre à déborder. Il recharge. Ouais, il recharge sa batterie. C'est une Tesla. C'est une Tesla, mais GTI, genre. Ah ouais, c'est. Allez, on écarte à droite vers Danilo. Également superbe entrée, hein, Danilo, qui rentrera assez tôt dans ce match. Valeur sûre, Danilo, franchement. Fabian Ruiz qui va écarter à gauche vers Nuno Mendes, qui est rechargé. Rechargé, on l'a dit. Nuno Mendes, il est passé. La faute sur Nuno Mendes, ça joue quand même. On revient pas à une petite faute là? Non, parce qu'il a joué. Et attention au pressing là, on est au même endroit. Pressing des Parisiens. Super Fabian Ruiz qui vient presser un petit peu Balerdi ici. Petite tremblote. Ça tremble. En plus, alors qu'il joue à domicile, mais bon. Ah, quand tu perds 3-0, forcément. Ah, mais le match n'est pas fini. Tu dois pas être si serein que ça. Allez, la balle dans les pieds olympiens actuellement avec Paulo Lopez. Le PSG très très haut. C'est ce qu'on aime voir. Un peu plus serein quand on voit un bloc haut. Le pressing, il est pas mal. S'ils font bien coordonner. On sort bien, mais attention. Ouais, là, ça va allonger. À toi derrière. Super. Récupérer. Danilo avec Sergio Ramos. Devant Sanchez. Marco Verratti qui a de l'espace ici avec Fabian Ruiz. Beau, quelle belle passe. Ah, il a pas réussi à garder cette balle. Où tu cherchais Messi, il y a Mbappé qui est là-bas là. Ouais. Et derrière, la balle récupérée aussitôt par les Parisiens avec Marquinhos qui va servir Mbappé. Nuno Mendes. Mbappé. Pour Nuno Mendes, il est passé Nuno Mendes en surface. Nuno Mendes en retrait, la petite passe. Non, c'est dévié. Il a raté. Il peut marquer. Oui, mais là, vous la mettez à Messi. Ouais, c'est vrai qu'il a anticipé, ouais. Il a anticipé un peu le centre, j'ai l'impression. Oh, les deux. Oh, les deux. Ah, il y avait hors-jeu. Ah, le genou. Oh, il était bien hors-jeu quand même. Ça vous rappelle rien? Ouais, Bayern. Ah, il s'est tapé le poteau. Ah ouais? Il va tellement vite, ouais. Mais je pense qu'il a les protèges, ça va aller. Hop. Non, ça va, c'est le pied. C'est le. Foot légèrement le pied. Ouais, faut. Mon doigt. Ah, punaise. Ouais, le 4-0 qui était très proche là pour le Paris Saint-Germain. Et attention, la balle qui revient dans les pieds marseillais maintenant avec Valentin Rongier. Il y a plus d'espace là par contre. Ouais. Ouais. Le bloc parisien qui est pas forcément. Bah parce que Nuno Mendes était parvenu et c'est Fabian Ruiz là-bas qui est à gauche. Là, il est dans l'axe de Nuno Mendes. Ils ont inversé. Attention. Le centre marseillais, le deuxième poteau, la tête, la part de Norma. Quelle parade! Kolasinac, claquage. Hein. Quelle parade de Djidjo ici! Autant dans les relances, c'est pas forcément incroyable dans ce début de match, mais là, waouh!
Quel arrêt! Oh, quel arrêt au second poteau! Il y avait une tête marseillaise de Sanchez. Et la main. Tu sais que c'est le gardien. De Donnarumma ici. Qui vient s'interposer. C'est l'un des gardiens qui fait le plus d'arrêts décisifs. Hein. Oui, oui, non, mais ça, c'est. Ah ouais, là-dessus, il n'y a rien à dire. Oh, la tête de. Sanchez, il est toujours dans les bons coups. Waouh! La main bien ferme hein, pour Donnarumma qui mais vient. Mais lui, gamin, c'est ce qu'on attend de garder toi. Garder cette balle. Pour ça, faut pas qu'il se casse la tête avec le, ballon, le jeu au pied. Ouais. Franchement, je te le dis. Mais c'est vrai que c'est encore un domaine où il peut s'améliorer un peu. De... Non, je sais, je comprends. Mais non, des fois, quand je suis pas sûr pas, que Galtier veuille qu'il relance court au pied, tu vois. Ouais, mais après, est-ce que c'est pas une identité qui est restée quand même du Paris Saint-Germain? Donc on essaie de repartir de derrière parce qu'on se dit, vu que c'est le PSG, on veut. Ouais, mais on va revenir à une d'accord, touche. À un moment donné, tu... Que s'est-il passé là? Tu pètes devant. Jonathan Clauss qui va rentrer côté marseillais. Ah. Sorti de Under peut-être? Non. Il s'est claqué. Ouais, oui, il s'est claqué Colasina qui. Ah, oui, oui. Ah, il est toujours là. Non, Eric Bailly, il sort à sa place. Et Colasinac, il a fait un truc bizarre, non? Il a. Peut-être une crampe. Eric Bailly, qui jouait dans l'axe, donc peut-être Rongier va passer en défense ou. C'est possible, après ce que. Ouais, à voir. Ça va se concentrer Eric Bailly, il a gauche. Pris la foudre. Nuno va passer à gauche. Bah, le retour n'était pas évident pour Bailly. Du coup, c'est vraiment du marquage individuel qu'il a fait. En même temps, j'ai envie de dire, celui qui le prend, il n'a pas eu de chance au tirage. Bon bah ce soir t'es dans la zone de Kylian Mbappé. ce soir ça tombe bien, je suis pas disponible. J'ai pas compris ce qu'on a fait là. Ouais, il y a pas une eu but, touche. De toute façon. Je crois que ouais, la balle qui avait dû sortir. Pas en jeu peut-être, je sais pas. Je crois qu'on est revenu. Alors c'est Nuno qui passe à gauche, Clauss il va à droite et ouais il passe à 4 derrière. Écoute, 4 derrière. Ils mettent Nuno du côté de Mbappé. Non, du côté du petit Zaïre Emery. Je pense que c'est volontaire. Ouais, pour prendre peut-être le dessus sur notre titi parisien. Et ben, c'est faire. Parce qu'il court vite aussi. Ah, ouais, il tient dans l'axe. Hein. La super passe vers Léo Messi, ça peut aller vite. C'est dommage. Ah, c'est dommage. Ah, l'appel, il est parti dans l'autre sens, non, t'as vu il a voulu la. Ah, juste. Ah, il a touché très légèrement pour qu'elle revienne, non? On est dans la tête la de Messi. Ouais, voilà. On est dans la tête de Messi, là. Ah, il a voulu avoir ce toucher, là. Ah, c'est dommage. On voit que ça passe beaucoup à gauche. Ouais, côté je t'ai dit, à droite. Mais bon, Achraf n'est pas là. Ah oui, Moukile, c'est plus défensif qu'offensif aussi. Surtout quand on revient de blessure, on prend un peu moins de risques aussi. Hein. Hors jeu, monsieur. Ah non, il n'y a pas hors jeu. Et ce qui est intéressant aussi, c'est que Moukielé, quand Achraf reviendra, pourra jouer dans les deux postes si jamais il y a un souci à droite et il peut jouer dans l'axe aussi. Ouais. Les gars, on résiste là. On résiste. T'as un défenseur central en plus quand même. Bien joué, mon super petit. Super Warren. La balle contrée, touche là pour l'Olympique de Marseille. Ouais, restez. Il faut résister, les gars. Pas trop bas. Si on met ce quatrième but, on peut être bien. Allez. Tavares sur le côté gauche. Il va frapper. Il va tirer du droit, les gars. Il passe, nous, Tavares. Il va tirer du droit. Et c'est capté par Donnarumma. C'est une très belle frappe hein, de Tavares ici. Non, mais franchement, j'ai jamais vu un défenseur latéral frapper autant. Ah, mais elle était belle cette frappe en plus. Pas mal. Un peu. Un rebond, bien placé. Quel non, ça rentrait pas. Non franchi. Ouais, mais par contre, j'ai pas compris la suite en fait. Ou alors ça a joué et on n'a pas vu. Ouais, si ça le réalisateur n'a pas montré la suite. Oui, Dodo, oui, c'est pour toi. Ils ont un peu de mal à la réalisation aujourd'hui. Profondeur. Ça va trop vite dans ce classico. Danilo, la relance des Parisiens. Il y a eu une faute énorme sur Messi, je crois. Ouais, Messi qui est resté au sol. Putain. Turpin. Mais Turpin ! Oh ! Il a sa chaussure enlevée. Normalement, tu dois siffler là. Ah non, il laisse jouer. Turpin, 68ème minute, s'il te plaît. Commence pas parce qu'on n'a pas parlé de toi. Depuis le début du match. Et là, tu fais pour le coup, tu fais un bon match. Ouais, la balle perdue par les Marseillais ici. Le ballon, il est. Elle est pas sortie. Revient tout de même dans les pieds marseillais. Bon, Messi, s'il te plaît, est-ce que tu peux remettre ta chaussure? Allez, le bon pressing des Parisiens, Fabien Ruiz qui vient s'interposer. Super match, Fabien Ruiz encore une fois. Bonne intervention ici. Et Mbappé qui a le temps un peu de l'air laisser parisien. Messi remettre sa chaussure et là, il peut attaquer. C'est bon. Allez, Mbappé, oh là là. Qui a de l'espace face à trois joueurs. T'as vu ses petits coups, genre il est resté tout droit. Mbappé, c'est devenu une armoire à glace. Attention, côté. En une. Ramos. En une. Profondeur, petit. Ramos. Avec Danilo. Vous trouvez pas que Ramos, dans ce positionnement de axe, il est. Il est bien. Incroyable. Mais c'est son meilleur poste, en fait. Et puis, vu que c'est un défenseur qui anticipe énormément, ça lui permet de. C'est mieux de bien que quand il était sur le ouais, côté. Ça lui permet de munir les trajectoires. Danilo. Avec Warren Zaïre-Emery. Le Jean, une touche. Oh, il est tombé, il a glissé un peu, j'ai l'impression, Warren ici. Embarqué par son démarrage. Revient, Zaïre. Ah, il t'a écouté, hein. Direct, il a fait les pas chassés en arrière. Le micro de l'or est toujours connecté.
il faut que son... il faut... En plus, il a Danilo derrière lui qui va lui dire vas-y. Ouais, et aller, tu connais, hein, quand tu es dans le couloir, tu es en connexion totale avec le défenseur central de ton côté. Si tu peux sortir ou pas. Allez, il reste encore 20 minutes dans ce match. Pour l'instant, 3-0 pour le Paris Saint-Germain. On y est. Ah, le pressing des Parisiens toujours haut. Ouais, là, t'aurais pu. C'est vrai que Kylian pouvait. Ouais, on était bien sortis en plus. Ce petit effort défensif. Allez, bien rester groupé dans l'axe. Sur son côté. Bien coulissé côté parisien. Under, il... Heureusement, il a pas choisi Marquinhos côté. Il est au pressing ici. Marquinhos qui a failli récupérer ce ballon. Bon, ça revient. Le gars, il y a un 3 contre 1 avec dans les pieds parisiens, dans les pieds marseillais. Attention, ça va dédoubler. Ouais, il y a de l'espace à gauche là pour l'OM. Guendouzi. Qui va centrer. Merci. Mais tu t'as cru que t'étais qui contre toi. Montre-lui les petits appuis, montre-lui. Le duel de Titi parisien, remporté par Zaire Emery. On commence un petit peu à souffrir là. Le centre de Tavares. Quel centre. Superbe remise là de Zaire Emery. Ça vient. Il a fort parti. Oh là là. Léo Messi avec Mbappé. Là, il y a de l'espace, ça peut aller très très vite. Bon Mbappé qui est parti. Léo Messi également. Ah, Léo Messi qui a demandé cette balle peut-être. Léo Messi, il est servi. Oh là là. Léo Messi qui attend une solution. La loupe de Messi. Bébé. C'était compliqué. Oh le bébé. Qu'est-ce qu'il voulait nous faire là? Je sais pas qui était à droite, mais j'avoue, c'est, ça doit être frustrant parce que c'est vrai qu'il va jouer. Ils vont jouer ensemble, ils préfèrent. Mais, ah, mais si que là, je ne m'y attendais pas. Il a fait une louche externe. Ouais. Je crois que c'était Vitinha qui était monté, non? Je suis pas sûr. Non, mais je veux dire, tu vois. C'est oui, Vitinha justement, encore une fois. Vitinha dans la surface, sur le côté. Entrée de surface. En retrait, avec Marco Verratti, Léo Messi dos au jeu. Encore. Il écarte. Fabien Ruiz. Encore. Il ouvre Mbappé. Oh, petite faute sur Mbappé. Hein. Ouais. Mais Nuno, il est au sol, il s'est relevé. Et derrière, Klose pressé par. Ah, Nuno, il est pas venu. Fabien Ruiz. La balle qui est sortie, visiblement. Ah, Nuno, il est pas venu. Ben oui, il est en train de lui dire. Viens, super gamin. Super pressing de Fabien Ruiz. Là, vous l'avez vu cette louche? Oh là là. Le ralenti, il est extraordinaire. Oh. C'est facile. À l'aveugle. Hein. Mmh. Ah, il l'a senti. Même, t'as vu les Marseillais, ils ont fait comme ça. Mais qu'est-ce qu'il nous fait? La balle dans les pieds, Marseille actuellement. Le pressing très très haut des Parisiens, c'est ce qu'on aime voir. Fabien Ruiz, qui fait une petite faute ici sur Rongier. Montre-lui, gamin. Ah, j'aime bien les fautes finalement. Ouais, monsieur. Ce soir, j'aime bien les fautes. Fabien Ruiz qui fait pas mal de petites fautes aujourd'hui, qui est pas sanctionné, tant mieux. Ah, mais j'aime bien. C'est des petites fautes. C'est ce que les Marseillais font d'habitude. Donc, je les arrête, écoute. Triplé de Mbappé, allez, nous dit Adenzo sur le chat. Je sais pas, ça sera un triplé. Le 201ème. Le 201ème pour le record. Non, franchement, je trouve que le symbole, il est plus fort au Vélodrome. Il ouais, moi aussi, le 203 c'est, et c'est le vraiment 204. La rivalité ouais. Contre Marseille. Tu bats le record de Cavani. Attention, les Marseillais bien en place. Ne parlons pas de record avant de gagner le match. Imagine la soupe à la grimace. Les Marseillais bien en voilà. Place. Voilà. En tout cas, les attitudes défensives sont... Non, Fabien Ruiz qui a joué un peu trop simple ici. C'est une passe téléphonée. Ouais. Allô. Allez Marquis, on compte sur toi. Marquinhos qui vient contre attention, un peu ballon sur son deuxième poteau. Zaire Emery qui vient c'est concéder bien joué. Le corner. Écoute. Simple, il a 16 ans, ok. Non, mais même, positionnement, le mec il est dans un monde, je comprends pas. Ah ouais. C'est genre à 16 ans, on était au collège. Bah, il, est en train de réviser il est en train de réviser le bac de français actuellement. Mais c'est vrai, hein, il c'est révise incroyable. Le bac de français. Donc là, dans son positionnement, on pouvait rien faire d'autre. Le corner marseillais tiré au second poteau. Voilà. Puissant ce corner. Le géant mais... Didio qui s'interpose. Didio tombe aussi, il tombe. Perd du temps. Le dimanche soir, après tu te couches. Le dimanche soir, tu joues au Vélodrome. Le lundi matin, tu révises ton bac de français. Mm. Voilà la vie de Zaire Emery. Ah, et le lundi après-midi, tu t'entraînes. Allez, Warren Zaire Emery. Dans l'axe ici, costaud, dépassé. Mon petit. Super. La faute sur Warren Zaire Emery. Merci, monsieur Turpin. Bonne entrée hein, pour l'instant. Il tient bien au, ouais, au physique. Hein. Voilà, c'est ça, il fait ce qu'il... Bon, alors, on me dit sur le chat que le radar bug, bébé, hein. Si la régie peut checker ça. C'est un beau bébé. Oui, Marseille, vous perdez 3-0, c'est bien de faire de l'animation dans les tribunes. Vitinha. Oh, les gars, s'il vous plaît, gardez la ligne conductrice, là. Là, on veut... Un vrai match plein. Ah ouais. Là, si vous pouvez les appuyer bien comme il faut, là. Clairement, il faut continuer. Il y a faute, bah si, il lui fait une ceinture. Ils ne veulent pas se relâcher, mais c'est ce qu'on voit hein, dans les Parisiens. Leur bêtise là. Dans l'attitude, on voyait les Parisiens presser très très haut. Leur bêtise de ferveur. Bon, je me calme. Il faut que ça continue. Il est parti. Messi, l'ouverture, il cherchait Nuno Mendes. Appuie-le. Et là, on voit des Parisiens très haut, en bloc, et on voit surtout une équipe qui presse ensemble. Ah, aujourd'hui. Je trouve que défensivement, pour le moment, ce que les Parisiens font, bon là, il y a plus d'espace en deuxième période, et c'est presque la fin du match. Mais je trouve qu'on arrive à bien sortir sur le temps de passe. C'est-à-dire qu'on les laisse pas, on leur laisse pas de temps.
Oh, la relance compliquée de Paolo Lopez là, ici. Là, si tu fais un bon pressing. Tu vois. Voilà, super. Et en fait, t'attends aussi l'erreur technique des Marseillais. Ça nous permet aussi d'être dans l'anticipation. Pour nous, Tavares. On a récupéré énormément de ballons. Ouais, 5 tirs, nous, Tavares. T'avais raison, Laurent. Zone rouge. Ouais. 3-4 tirs par match. Il a 5 tirs aujourd'hui. Bah, il a dû contrôler un peu Nuno Mendes. Donc, pas qu'un peu. Non, c'est vrai, mais il a essayé. Ceci explique la hitmap. Ah, Nuno Mendes justement qui va sortir certainement. Il a beaucoup donné. Juan Bernat qui devrait le remplacer, je pense, ou Pembele. Juan Bernat qui va le remplacer. Il a beaucoup donné. Juanito qui a fait une belle prestation contre Lille avec une passe D. Il peut sortir avec deux passes D quand même. Ah, Nuno Mendes, super match. Nuno. Ouais. D'ailleurs, c'est celle où il y a le raté de Messi, c'était Nuno. Ça partait de Nuno, mais je crois que c'était contré, donc ça n'aurait pas été accordé à mon avis. Ah bon ? Ouais, ça avait été contré, c'était revenu un peu miraculeusement sur Messi. Allez. Messi, il a fait un pressing ? Bah, ouais, il presse aujourd'hui. Hein. C'est vrai. Attention à gauche, il y a de l'espace ici. La balle dans les pieds marseillais. Tu défends toujours, Il reste un quart d'heure dans ce match. Mais tu vois, contrairement au Marseillais, nous, notre défense, notre ligne défensive, elle est là, cohérente, j'aime tu vois. Bien, j'aime bien. Que, j'aime bien. Attention, vraiment. Oui. Ramos ce soir, j'aime beaucoup, vraiment. Et général. Et Guendouzi. Trouver son devant son le camp parisien. En fait, sort au bon moment. Zaire Emery devancé par Nuno Tavares, le centre deuxième poteau contré par Ramos. Ça revient. Zaire Emery qui s'interpose. Tac. Avec Léo Messi, Zaire Emery. La petite faute sur Léo Messi, c'est sifflé. Il le pousse dans le dos. Mais tu vois, pour Sergio, je pense qu'il a besoin de ce poste-là. Mais complètement. Il a besoin de ce poste-là, d'être un peu en retrait, tu sais, comme un libéro. Complètement. Puis même, tu ça lui demande moins de course à haute intensité. Et puis il arrive à driver, en fait. Il arrive à driver ses partenaires. Patron de la défense. Sur le chat, on me demande, est-ce qu'on le mérite de gagner 3-0 ? Oui, bien sûr. Je pense que largement. Bien sûr. Vraiment, là... Ça aurait pu être même un 4-0. On sort pas. Allez, ça Fabien Ruiz. Ah, avec Vitinha. Oui. Il y a un espace en profondeur. C'est Léo Messi qui est sorti. Léo Messi, le crochet tenté, ça ne passera pas. Il a voulu faire le drip de rupture là. Oh. Ah, je pensais qu'il allait les mettre en une. Il y avait le. Attention, ça revient. Mais oui, encore une fois, Danilo c'est qui pas intervient. Le mec qui part à la guerre, tu sais que. Hors jeu de qui ? Il sera serein. Ouais. Léo Messi hors jeu ici. 77ème. Alors. 3-0 pour le Paris Saint-Germain. Et ce qu'il faut noter aussi, c'est que pour l'instant. Il n'y a pas eu d'occasion à part la tête. La tête ouais, de Sanchez. En mi-temps. 51% de possession pour le Paris Saint-Germain. Oh, attention, non, l'occasion non, là non, pour non, les Marseillais, non, justement, Sanchez. Non, les gars. En retrait, la non, frappe totalement déviée. Oui, Danilo. Elle est déviée par Danilo. La frappe d'under. Il faut contrôler Sanchez parce qu'il commence à devenir. Ah, il y avait hors-jeu. Il y avait hors-jeu, ouais. Il y avait hors-jeu, ça va revenir hors-jeu, je pense, non ? C'est ça que je voulais voir. Ah, la frappe qui était ratée hein, de under. La position moyenne des Marseillais. Ramos qui avait super bien joué le coup là pour le hors-jeu, l'expérience. Ah, ils sont très hauts les Marseillais. Hein. On les sent moins haut quand même en deuxième période qu'en première. Hein. On sent que Paris ne joue pas si bas que ça finalement en deuxième période. Hein. Non, mais les Marseillais sont hauts quand ils ont le ballon. Ils arrivent à se mettre dans le camp adverse. Après, forcément, quand ils partent de derrière, ils n'arrivent pas trop à imposer leur jeu. Parce que aussi, ils aiment bien voir aussi ce jeu de possession. Et là, ce soir, les Parisiens les gênent. Fabien Ruiz, la relance avec Verratti. En une touche, on cherchait Mbappé. Quand on va trouver Mbappé dans une bonne position. On le voit un peu moins, là, Mbappé, depuis quelques minutes. Il recharge. Ils ont besoin de recharger. Et la balle remportée au milieu de terrain par les Marseillais. Ne jette pas, gamin. Nuno Tavares. Un vrai gros match de Vitinha qui fait les efforts. Attention. Dans l'axe, Guendouzi qui attend une solution. Pressé par Marco Verratti. Sans faute, Marco. Marco qui presse, qui court. Non, on Fabien Ruiz qui vient aider également. Super. Allez, à gauche. Il faut le récupérer ce ballon. Quel milieu de terrain ce soir. Ah, il cavale, hein. Marco Verratti également. On pousse à... Petite faute de Juan Bernat, dommage. Aïe. Il vient de rentrer, il faut qu'il se mette un petit peu dans le... Ouais, c'est léger, il a failli la prendre, mais il nous a bien protégé ce ballon. Il va avoir une plus grosse allonge des jambes. Ouais, parce qu'il n'est pas si dangereux que ça, là. Tu peux prendre un mètre de recul. Et le coup franc... Assez éloigné, mais quand même, ça peut être dangereux, attention. C'est encore Veretout hein, qui peut le tirer. C'est ça. Première période, il y avait un coup franc de Veretout très, très, très dangereux, à peu près dans le même positionnement. Mais de l'autre côté. Allez, Didio, on compte sur toi. Le bloc parisien, pour l'instant, qui oui, est bien Sergio, en place. Donne les consignes. Veretout qui va venir se charger de ce coup franc. 80e minute. Pour l'instant, 3-0 pour le PSG.
Le coup franc tire au deuxième poteau. Il y a une tête marseillaise, ça va revenir ce ballon, la retourner, ça passera à côté. Faut pas les laisser faire avec ça. Avec l'effet d'optique, on voit non, que... Non mais c'est pas ça, c'est que t'as Sanchez qui est juste face au but. Ouais. Où tu veux t'aventurer à faire... Regarde. Ouais, si tu veux, ouais mais... Faut qu'ils se parlent les garçons. Il y a Juan Bernat qui est arrivé aussi. Je pense pas qu'il aurait eu le temps de faire quelque chose. La retournée bien manquée hein, de Balerdi. Bien sûr, c'est pas son domaine. Même s'il marque en retournée, il faut savoir que ça compte pas double. Et Sanchez qui va sortir. Ah oh, punaise. Et avec c'est le meilleur ouais. Ce soir. Entrée de Vitinha du côté de l'OM, leur dernière recrue qui vient de Braga. Et lui, un il joueur a une... qui marque pas mal. Ouais, mais il a une, on va dire une entrée dans son nouveau club compliquée. Il y a Unai aussi. Il a fait 45 minutes. Il est sorti. Et Unai qui va rentrer également pour l'OM à la place de Malinovski qu'on n'a pas trop vu aujourd'hui heureusement. Ouais, parce qu'en Coupe de France. Ouais. On se souvient qu'il a mis un mal, hein. Oh, Payet. Sacré but et entrée de Payet aussi. Ah, parce qu'il pour y a apporter plus des centres. Ouais, à la place de Under. Il y a plus d'espace. Et on connaît sa qualité de centre et de passe à Dimitri Payet. Qu'est-ce qu'il y a, Under ? Qu'est-ce qu'il y a ? Chacun ses qualités. Où ça sort, Under ? Qu'est-ce qui se passe ? C'est la 80e, mon coco. Ah, il est pas content, Under. Mais pourquoi il est pas content ? Pourquoi ? Franchement, il a 3-0 aussi, à mon avis. Le seul qui méritait de rester, c'était Sanchez. Ouais, Sanchez faisait quand même un. Un match correct, Zer Emery. Merci. Avec Vitinha, avec Verratti tranquillement. Après, avec Payet, ce qui est pas mal, c'est qu'il il fera moins de retours de dingue comme, les, ouais. Comme ceux qui sont sortis. Un peu moins d'intensité. Non, c'est sûr. Il a d'autres qualités. Hein, mais Oui, c'est bien ressorti, là, les Parisiens, avec Marquinhos. J'aime bien là, le fait Léo de... Messi, Verratti... Léo Messi, qu'est-ce que ça sort facilement à être fatigué, là, hein. Wow. Verretou, Guendouzi. Et en fait, ils ont tellement donné. Ouais. C'est parce qu'on sait, on sait qu'ils pressent bien, mais le fait que les Parisiens jouent aussi dans le dos, t'es un contre-courant et t'es là, tu fais un peu la navette. Et au final, t'as. Tu sais comment c'est quand tu perds, les efforts, ils font plus mal. Ah, ça, surtout quand. Quand tu sais que tu fais les efforts pour gagner un résultat, ça. Tu fais une passe à 10, là. Franchement, également la qualité technique des Parisiens aujourd'hui. Ouais. Peu de déchets dans le jeu. Très peu. Et Viti. Un peu plus en première, mais parce qu'en première, il y avait un tel pressing que. Ouais, ça. Jouer sous pressing, n'importe quelle équipe est en difficulté. Hein. Non, mais il a mal. Hein. Ouais, Kolasinac, il boite un petit peu. Mais je te dis, moi. Il boite Kolasinac. Mais depuis tout à l'heure, je te dis qu'il s'est claqué un truc. Non, le corner pour les Parisiens. Mais c'est un rock parce que. 83ème minute, le corner qui va être joué à deux. Il vient où du Kosovo, non ? Albanie ? Je pense que c'est un vrai. Je crois que c'est Serbie. Hein. Vrai guerrier. Non, j'aurais dit Albanie, moi. Attends, je vais trop dire ça. Eh, mais s'amuser, Mbappé. Oui, ya. Mets-le. Ah non, il a tardé. Il a ouais, et puis il a regardé. Vas-y, pousse-le. Puis il a regardé aussi. Bosniak. Ah oui, Bosniak. Mais il jouait pour l'Allemagne quand il était jeune, après pour la Bosnie-Herzégovine. Allez. Allez, Mbappé, côté gauche. Le crochet d'Mbappé avec Léo Messi. Allez, le petit crochet, Léo Messi. Ah, oh, face à 5 joueurs. Dommage, j'avais Zaire Emery qui avait fait un bon appel. Hein. Ouais. Et je pense qu'il veut retrouver son poteau. Il a voulu servir de... Derrière la petite faute de Zaire Emery. La balle récupérée par les Parisiens. Fabien Ruiz. Et là, on va faire tourner ce ballon. Parce que techniquement, les Parisiens sont en confiance. Il y a plus d'espace, là, vraiment. Ils n'ont plus l'énergie pour... Tu peux pas presser. Tu peux pas presser pendant le match. Vitinha, Fabien Ruiz, ils se régalent, là, les Parisiens. Mais les gars, prenez pas beaucoup de risques, s'il vous plaît. Oh, Marco, ça va, en général. Bien joué. Avec Mbappé. Ça, montre-le à Balerdi. Devant Balerdi, la faute. Que la muscu, ça sert. Mbappé, il sait tout faire. Ouais, tu le mets n'importe comment, le ballon. À gauche, à droite, en pivot. Il sait protéger son ballon. Il fait des passes des... Même de la tête. Il a failli marquer de la tête. C'est vrai que quand il est arrivé au Paris Saint-Germain, il avait ce rôle d'ailier et que maintenant... Tu peux le mettre n'importe où. Il a toujours ce rôle d'ailier parce que ça oui. Il est un peu mieux à gauche quand même. Mais maintenant, même en pivot, même dans l'axe, tu sais que il peut te sortir des masterclass. C'est ça, tu vois. C'est qu'il a réussi à varier son jeu. Oui, le général. Sergio Ramos. Petit coup de pression. Ce ballon. Petit coup de pression à Nuno Tavares. Il a joué son rôle de leader aussi. Oh, ouais. C'est pas beau la balayette par derrière. Tu sais qu'il l'aura. T'as vu qu'en tombant. Comme d'hab. Il aime trop ça. Mais... Et lui, là. Et la bonne nouvelle, c'est au niveau comptable également, parce que le PSG va avoir 8 points d'avance sur l'OM en Ligue 1. Et que Monaco a perdu aujourd'hui. Oh.
3-0 face à Nice, donc le PSG aura une belle avance. Ah, mais un 3-0 clair, hein, c'est pas un 3-0 où ils ont lutté. Hein. Et Lens également a fait match nul. Hein. Ouais, c'est ouais, Lens, donc, Montpellier, ils ont un vrai coup de mou, Lens. Ouais, Lens, deuxième partie de saison, c'est vraiment compliqué. Comme d'hab. Comme l'année dernière. Mmh. Mais je pensais qu'avec c'est la Coupe du Monde... Non, mais je pense que c'est des équipes qui superforment quand même. Mmh. Comme Lorient aussi, maintenant. Ouais, Lorient, début de saison, c'était incroyable. Là, ils sont 8e maintenant. Ils ont encore perdu contre Auxerre. Exactement. Oh, Auxerre qui revient, du coup. Hein. Auxerre qui sort. Et Brest, ils ont fait combien? Parce que Brest était devant. Brest. Non, perdu. Non, ils ont perdu Brest. Ah, bah, ils sont sortis de la zone rouge, non? Auxerre qui est 16e, ouais. Exact. Il y a 4 descentes cette année. Oh, fallait le faire, ce tacle. Ouais, Juan Bernat, bien joué ici. La relance derrière droit de Bernat. Boulet! Voilà! Il vient dégager. Alors, Donna, ça fait pas du bien, ça? Ah, t'es soulagé quand tu dégages. Ah! Voilà, comme ça, tu te replaces, tu reformes ta petite ligne. Un bon pied gauche, là. Allez, gars, s'il vous plaît, dans les pieds marseillais. Ouais, un clean sheet, ce serait beau. La dernière fois que je dis ça, on a pris un but derrière. Faut qu'on les appuie bien comme il faut, là. Donnarumma, qui va pouvoir relancer le 6 mètres pour les Parisiens. Il y a beaucoup de volonté, dans beaucoup d'énergie, on le sent. Ouais. Elle met boulet devant. Non, là, tu peux jouer court, je pense. Non, mais là, j'avoue, ils sont à 3 devant. Ah. Messi, tout seul. Verratti, d'accord. Marco Verratti, avec Zaire Emery peut-être sur le côté. Il est servi Zaire Emery, on revient sur Léo Messi, Danilo. Ah, Danilo, ok, au milieu de terrain, d'accord. Ça tombe bien. Je veux dire merci à Verratti pour ce qu'il a fait quand même, parce que là, ouais, bien ça, il a fait une action. Vitinha, ah, le milieu de terrain, gros match. Hein. Vitinha, facile au milieu de terrain aussi. On t'a critiqué, gamin. Aujourd'hui, t'as montré. Allez, dans l'axe, il y a de l'espace pour Léo Messi. Il va être contrôle, servi. Porte-manteau. Le contrôle un petit peu trop long. Il est beau aussi quand même. Et Tavares derrière qui a bien récupéré cette balle. Quel manque de respect, ça, ce sombrero. Tu peux mettre un sombrero à Messi, ça arrive pas souvent. Hein. C'est un manque de respect. Tu... Arrête. Non, je trouve qu'il a pas le droit de le faire. De quoi? C'est sûr qu'il va la bien la mémoriser, cette action. On a respecté les grands joueurs. Et pas se permettre. Ballon d'or. Tu aurais préféré qu'il lui fasse une passe, t'as raison. J'aurais préféré qu'il perde le ballon à ce moment-là. Unai. Quel match de Vitinha, j'en reviens pas. Le... Ouais. Il y a un step-up de niveau de Vitinha sur ce match par rapport au dernier match. On le sentait hein, pas forcément à 100%. Le problème, c'est toujours pareil. C'est que on oublie que la performance reste quand même une performance humaine. Ah, le centre l'a capté par Donnarumma. Et est-ce que ce système également en 5-3-2 n'a pas plus bénéficié à ce milieu de terrain parisien? Surtout quand ils sont deux, en fait. Je le répète, mais le 5-3-2 avec Neymar en moins, entre guillemets, même si c'est une arme en moins, c'est sûr qu'on est tous tristes pour lui, mais pour le coup, c'est l'équilibre dans ce système. Il peut marcher quand t'en as que deux qui sont dans l'axe. Et tu vois pas Neymar au milieu de terrain? Parce qu'on l'a vu dans un 4-3-3, il était quand même intéressant. Franchement, c'est vrai qu'à la place d'un des trois joueurs du milieu de terrain, ça peut faire quelque chose. Tu vois. Il n'y avait pas de faute de Sergio Ramos, l'arbitre qui laisse jouer. Ouais, des fois, je me dis ça, peut-être dans l'engagement, il. C'est vrai. Il défend, il court, aussi, ouais. Tu vois. Il défend, il court. Il faudrait qu'il accepte de défendre, voilà. De défendre mais un tout peu le match. Plus. Ouais, parce que là, on voit les efforts de Vitinha, Danilo et. Il ne peut pas faire le même match que Vitinha et Danilo. Pas Danilo, pardon. Fabian Ruiz et Verratti. Non, parce que je pense que s'il part en profondeur, après, pour revenir, ça va être compliqué. Attention, ils ont un peu d'espace. Les Marseillais. Guendouzi, c'est la 48e minute. Écoute. Le centre dévié par Marquinhos. Ça revient dans les pieds marseillais. J'ai même plus peur là. Venez parler après. Léo Messi. La relance, petite faute sur Léo Messi. C'est pas beau. Ouais, moi aussi ça va là. 89e, on sait que la victoire pour le PSG arrive. Il va vraiment. Franchement, ça va, on a un match important dans pas longtemps, c'est ridicule. Le prochain match du PSG sera contre Nantes. Mais t'as vu le cadreur encore? Cadreur, faut. Hey, il a pas la formation Mbappé. Oh, faut être réactif là, faut pas dormir. Ça va trop vite. Ah, dommage qu'il la prend pas, il la prend là, pas très bien. Mauvais espace marseillais ici, mais ça va revenir. Par contre, le milieu marseillais, on les a pas trop vus. Hein. Aïe, mais si qu'on je a un vois, match. Il se. Ouais, mais c'est qu'il a taclé, ouais, il a pris un petit coup, mais c'est rien, je pense. Oh. C'est bon, fin de match. Il va. Allez, gagne dernière, s'il vous plaît. Temporiser un petit peu. C'est ça. 82e minute, le prochain match du PSG, ce sera samedi contre Nantes. Ah, il est beau ça. Oh, attention, le centre marseillais, quelle parade! On vous a dit, c'est le gardien! Devant Vitinha! Allez, ça revient. Ah oui, Marquis! Et Marquinhos qui intervient, Guendouzi encore! J'ai l'impression qu'ils marqueront pas. Oh là là, Donnarumma! On peut jusqu'à demain, vous n'avez pas marqué! Parce que là, tout était bien fait du côté de Marseille. Le centre était incroyable. Il s'est bien placé. Ouais, le centre, l'appel de Vitinha. Derrière, il la reprend mal, Vitinha.
Heureusement pour le PSG. C'est pas qu'il la reprend bien, c'est qu'il mal. Fait, non, c'est même pas ça, c'est que il a mis pas dans l'axe quoi. Bah ouais, c'est en fait, il voit pas, il a pas une prise d'information et il voit pas que Donnarumma en fait, il est resté sur place. Vitinha. Tant pis. Et ouais, Guendouzi. Ah, Donnarumma. Oh, le duel de la tête gagné par Verratti sur Guendouzi. Il aura pas eu beaucoup d'interventions à faire Donnarumma, mais les deux qu'il a faites, il les a faites parfaitement. Écoute, c'est ce qu'on veut hein. Un gardien de but qui soit décisif. Deux minutes. Mais pas deux minutes supplémentaires. Lui, il met pas beaucoup de minutes d'arrêt de jeu. Tu siffles la 90e. C'est vrai que deux minutes, c'est rare maintenant. Mais franchement. On est habitué à des 4, 5, 15 en Coupe du Monde. Là, deux minutes, ça fait bizarre. Et ce qui est bien, c'est que les Parisiens vont pouvoir se reposer un petit peu. Parce que le prochain match, c'est samedi. On n'aura pas trop une accumulation de matchs avant la Ligue des Champions. Ça va faire du bien, il va falloir régénérer les. On avait joué dimanche dernier également, il y avait une petite. Oui, Dani Danilo, il a fait un gros match aussi. Ouais, super. Oh, les petits le petit pont de Marco Verratti sur Guendouzi. Et la faute derrière. Tu gagnes le duel de la tête face à Guendouzi. Tu lui fous un petit pont, la soirée est terminée. Et 3-0. Ah, la soirée, elle est bien. Et 3-0. Et pourquoi pas un dernier but? Allez, pourquoi pas, Kylian. Le 201ème, ça pourrait être maintenant. Mbappé, oh oui. Justement, la déviation avec Fabian Ruiz. Ouh, le tacle dangereux là, de Guendouzi. Ouh, la faute, sur, ils ont le seum. La faute sur Vitinha, de Veretout. Le avec premier carton, il devrait arriver peut-être là, non? Turpin, il est tranquille là. Il a fait un bon match quand même, ça va. Ce soir, je ne sors aucun carton. Mais franchement, si ça donnait la bagarre générale, je serais dedans aussi. Il a bien arbitré. Oui, ouais. Il a bien arbitré, il n'y a pas trop de choses à dire sur l'arbitrage. Après, je trouve qu'avec l'intensité qu'il y a eu, il y a globalement eu un respect. Ouais. Au niveau des organismes. Mbappé, de peut-être. Il n'y a pas eu d'attentat, quoi. Ça... Pour une dernière occasion. Oui, c'est bien joué. Juan Bernat, il est passé. Paulo Lopez qui intervient. Et corner. Non, c'est pas sorti. Nature pensive, s'il te plaît. Ils vont pas marquer. Ils vont pas revenir. Guendouzi, la balle récupérée par Vitinha en roulette. Vitinha, il fait une passe en roulette, lui. D'accord. Ouais. Doucement, mon petit Marco. La perte de balle des Parisiens. Danilo, un peu trop court ici. Viti, attention. C'est bien, il l'a ralenti. Ça fait déjà le taf. Mais toi, on est déjà, on est dernière action, 92e minute. Payet sur le côté droit. Avec Klos, la passe ici, c'est passé. Clean sheet, clean sheet, allez. Pour Veretout. Vous n'allez pas marquer. Dimitri Payet. Qui cherche une solution. J'ai l'impression que même quand ils réussissent, il y a un arrêt de. Rongier, Klos, le centre, bon, dévié. Turpin. Juan Bernat qui récupère cette balle. Oh le gamin. Juan Bernat. Et fin de ce match, victoire 3-0 du Paris Saint-Germain. Le doublé de Kylian Mbappé, le but de Léo Messi. Deux passes D pour Léo Messi, une passe D pour Kylian Mbappé. Quel match plein des Parisiens. Franchement, c'est pour moi le match le plus abouti depuis le début de saison. C'est vrai. Déjà parce que tu joues contre une équipe concurrente directe et une très bonne équipe qui est en forme en plus en ce moment, qui t'a fait mal en Coupe de France. Et j'ai trouvé qu'au niveau de l'équilibre, du système, l'équilibre défensif, l'animation offensive, qui parfois alternait le jeu en possession et parfois le jeu en contre qui fait très mal. Ouais, j'ai trouvé qu'il y avait un peu tout dans ce match. On a souffert au début, on a réussi à tenir ensemble. On avait fait le dos rond comme il faut. Et au moment où il a fallu frapper fort, on a frappé très très fort, on leur a fait du mal. Mbappé a tenu son rôle. De patron. A vaincu contre l'OM. C'est lui hein, qui nous a montré la voie en mettant ce but. Ça les a fait douter une première fois. Et puis, je retiendrai aussi la connexion Messi-Mbappé. C'est exceptionnel. Et merci Didjo également. Il dit sur le chat c'est vrai que tous les Parisiens ont fait une très belle prestation. Je ne vois pas un Parisien qui est en dessous. La petite mauvaise nouvelle, c'est Kimpembe, la blessure de Presco. Exactement. Et puis, je pense qu'il faut louer le staff technique. Parce que. Le Paris Saint-Germain essaye d'imposer son jeu. Donc et là, tu vois une adaptation par rapport au système marseillais, l'animation aussi offensive marseillaise et défensive. Et tu vois que dans la profondeur, celle-là, on leur a fait mal. Là où la défense marseillaise est très friable. C'est le tendon. Ouais, c'est le tendon, ouais. T'as vu juste. Et c'est ça, en fait, moi, ce que j'ai envie de retenir ce soir. C'est cette adaptation qu'on a eue face à cette équipe marseillaise. Et aujourd'hui, voilà, c'est un match plein des Parisiens. Tout le monde a été à l'auteur de l'événement. On a refroidi un petit peu cette ferveur marseillaise, parce que ça commençait à beaucoup parler quand même. Il voulait la sortir celle-là. Ah ouais, ça commençait à beaucoup parler de oui, nous, on n'a pas peur, allez hop, 3-0. On n'a pas peur et tout ça. Il faut quand même respecter. Il y a quand même une hiérarchie des Parisiens. Et puis, écoute, ça reste un bon match. On a vu une connexion entre Messi et Mbappé qui a été très intéressante, qui a été fantastique.
Et puis tout le groupe, même défensivement, on avait un Sergio Ramos qui a réussi à driver son équipe, qui a réussi à tenir la défense, soit sur ses interventions ou même sur ses prises de, sur ses prises de parole. Et au final, on a éteint les Marseillais. Je trouve que c'est une très bonne soirée. Je vais bien dormir. D'abord, je vais bien manger. Après, je vais bien dormir. On va très, très bien dormir. Un match plein, forcément. On retient deux hommes en plus parce qu'ils sont passeurs et buteurs. Comme d'hab, c'est genre offensif. Mais vraiment, c'était un match donc, de toute l'équipe. Le milieu de terrain. Voilà, il n'y a pas un joueur qui était en dessous. Les milieux de terrain ont vraiment fait un match, encore une fois, dans les deux secteurs, offensif et défensif. Avec beaucoup de volume, beaucoup de courses, beaucoup de replis, beaucoup de ballons interceptés. Je pense qu'ils ont... faudrait regarder l'état des courses qu'ils ont faites ce soir, mais je ne sais pas combien de kilomètres ils ont fait. Et puis derrière, c'était costaud. C'est vrai que Ramos, sur cette position de défenseur central axe, c'est top. Il peut regarder, anticiper, replacer ses partenaires. Et puis l'entrée de Danilo a été... Voilà, comme d'hab, c'est un peu le mec sûr que tu peux mettre au milieu de terrain et derrière sans souci. Donc bravo, bravo les mecs. Plus jamais l'or ne change de coiffure, nous dit Pochettino ouais, 5 sur le chat. Je sens que cette coupe, elle a marqué des points. Ouais. Merci Arsène Laure et Trippi, merci à vous, merci d'avoir été présent sur la chaîne YouTube et sur la chaîne Twitch du Paris Saint-Germain. Nous avons passé une superbe soirée en votre compagnie. On peut dormir tranquille. On va super bien dormir. On est actuellement premier au classement avec 8 points d'avance sur l'OM, 10 points sur Lens et Monaco. Le prochain match ce sera samedi au Parc des Princes à 21h contre Nantes et ensuite Bayern de Paris Saint-Germain. En tout cas, ça met un PSG dans une forme plus que positive. Et puis là, on voit le graphique où on marque vraiment dans nos temps forts. Et c'est quand même difficile des fois dans le football quand on a la possession du ballon de matérialiser très vite les occasions qu'on peut avoir. Et les Parisiens, comme l'a dit Laure, ils ont frappé au bon moment. Et je pense que c'est ce qui a fait la différence aujourd'hui face à Marseille. Moi, franchement, honnêtement, j'avais pas peur dans le sens où si Marseille restait dans la même dynamique à venir chercher agressivement les Parisiens, il allait avoir de la place derrière. Et honnêtement, j'ai rarement vu une défense aussi mal alignée. Parce que rester comme ça avec des intervalles énormes, franchement, je ne comprends pas que Marseille soit deuxième. Non, je vous dis franchement, après, en tant que tacticien, excusez-moi. Bon, en tout cas, ça ne nous dérange pas cette soirée. 3-0 pour le Paris Saint-Germain. On était très heureux d'être en votre compagnie. On se retrouve très prochainement. Merci Laure, merci Trippi. Merci à toi Arsène. Merci. Merci. Merci Laure. Merci le chat. À très très vite. Et allez Paris, PSG Nantes dès samedi. Ciao. Ciao.
whip, but do not crash. See you looking at me, hater, why you look so mad? Pull off of the car lot, push button at hard top. Las Vegas at the Hard Rock, you can see the time on my smartwatch. Bent out in the penthouse, still a player with the pimp mouth. Your girlfriend is my friend now, and she loving it when we spin out. Hop in the Porsche and I go fast, go fast, go fast. Hop in the Rari when you go fast, go fast, go fast. Girl out in the whip, but do not crash. See you looking at me, hater, why you look so mad? Hop in the Porsche and I go fast. Skirt out in the whip, but do not crash. See you looking at me, hater, why you look so mad? Pull off of the car lot, push button at hard top. Las Vegas at the Hard Rock, you can see the time on my smartwatch. Bent out in the penthouse, still a player with the pimp mouth. Your girlfriend is my friend now, and she loving it when we spin out.